Bonne chance, merci. Bonsoir tout le monde, soyez les bienvenus. Vous êtes sur Nuria TV. Je suis très heureux de vous retrouver, les Nuriens, ce soir. J'ai hâte que cette émission se déroule. Si vous saviez, ce soir, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Laurent Kasprovitch, pardon, sur notre antenne, celle de Nuria TV, pour vous présenter son tout dernier ouvrage, un ouvrage collégial, Phénomène et si notre réalité était un rêve. Que vous dire, les amis, si ce n'est que ce livre m'a profondément enthousiasmé et que j'ai hâte de partager ça avec vous. Quelques recommandations cependant avant que nous lancions dans le sujet. Ce soir, je vais vous demander deux choses, de faire preuve d'un maximum de recul et d'ouverture d'esprit si vous voulez apprécier et essayer d'appréhender ce qu'on va vous présenter ce soir. Et puis, autre chose d'important, une fois n'est pas coutume, vous prenez vos croyances, vous les mettez sur le côté, vous les récupérez après, ne vous inquiétez pas, mais le temps d'une émission, mettez tout ça de côté. On va essayer de découvrir si notre réalité est un rêve, ces phénomènes qui nous intéressent tant. Ce soir, c'est peut-être un début de réponse qu'on va vous proposer sur l'antenne de Nuria TV. Je dis bien peut-être parce qu'on va tous essayer de rester humbles. Et puis voilà, le programme est lancé, les amis. Phénomènes et si notre réalité était un rêve, c'est tout de suite en direct sur Nuria TV. Bonsoir Laurent, sois le bienvenu. Je suis très content de t'accueillir une seconde fois sur notre antenne de Nuria TV. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous les auditeurs. Également, ça me fait plaisir. 4 ans ont passé déjà depuis mon dernier passage. Et on peut dire que le temps passe vite quand même, hein. Le temps passe assez vite, j'ai l'impression que c'était presque avant-hier cette émission. Pour vous, les amis qui n'auriez peut-être pas vu, on avait eu l'occasion de faire une émission avec Laurent pour parler de son premier ouvrage. Cet ouvrage, il s'appelait Des coups de fil de l'au-delà et on avait fait une émission dédiée à ce livre qui s'appelait Appel d'outre-tombe. Donc si vous ne l'avez pas vu, bah, qui sait, c'est peut-être l'occasion après ce direct de rattraper le temps perdu. Depuis ce livre, que de chemin parcouru, Laurent, puisque tu arrives avec ce nouveau livre. Alors celui-là, il est un peu plus épais que le dernier, il y a plus de matière, on voit que ça a bossé en 4 ans et que tu n'as pas chômé, et tu reviens avec cette hypothèse que tu défendais déjà dans des coups de fil de l'au-delà, tu l'as étayée, tu as travaillé sur le sujet, et puis tu as appelé d'autres chercheurs à participer avec toi à l'écriture de ce livre, ce qui en fait un livre bah, dense, avec un contenu vraiment important. Il faut l'intégrer, il faut le digérer, mais avec des gens venus d'horizons divers qui sont venus apporter leurs idées, leurs compléments d'information sur la théorie qu'on va présenter ce soir. Alors, d'ores et déjà, comme ça sera fait, je vais citer la liste des auteurs. Peut-être, les amis, parmi ceux-là, vous en connaîtrez certains. Donc, il y a toi, Laurent, bien évidemment. La préface qui est signée Bertrand Méheux. Il y a Brent Rennes, un ufologue américain qui a participé. Marc Leduc, un ufologue québécois. Jean-Jacques Jaya, philosophe et ufologue. Sharon Hewitt-Rowlett, qui est philosophe et chercheuse franco-américaine. Je poursuis Romuald Le Terrier, qui lui est ethnologue, si je ne me trompe pas. Patrick Harpur, qui est un écrivain anglais. Yann Vadney, qui est un ufologue qui travaille pour le GARPAN. Et Jocelyn Morisson, journaliste scientifique, qui lui a fait la postface de l'ouvrage. Ça fait quand même du beau monde pour ce nouveau livre que tu nous présentes. Bah écoute, oui, moi j'en suis très fier et je suis encore reconnaissant auprès des différents contributeurs qui m'ont rejoint, qui ont accepté de suivre un petit peu cette piste archétypale que tu évoquais précédemment, cette piste du trickster notamment, qui concluait mon livre précédent sur le phénomène des coups de téléphone post-mortem. Tu te souviens donc de cette interview qu'on avait faite ensemble qui avait été passionnante et moi j'en garde un très très bon souvenir. On concluait le livre, enfin je concluais le livre avec un philosophe et collègue qui faisait la postface, Philippe Solal, et qui me faisait remarquer dans nos discussions que dans ces phénomènes-là, souvent les appareils téléphoniques sont utilisés de manière un peu symbolique plus que matérielle. Et c'est vrai, puisque des fois on avait des téléphones qui ne fonctionnaient pas et les gens recevaient quand même des coups de téléphone des morts. Ou alors l'appel n'était pas tracé par France Télécom, c'était très très symbolique. Et donc je m'interrogeais à la fin sur la nature de notre réalité.
à la fin de mon précédent ouvrage. Et ben, en redémarrant ce livre-là, c'était aussi le fil rouge, puisque comme tu l'as vu, un phénomène est sous-titré « Et si notre réalité était un rêve ?» C'est une question, un fil rouge hein, qu'on explore tout le long de ce livre à travers différentes contributions dans le domaine OVNI et dans le domaine paranormal, parce qu'on s'est rendu compte que ces phénomènes, finalement, avaient le même processus de manifestation. Un processus de manifestation qui souvent rappelle le mythe, parce que c'est aussi un mythe du trickster, dans les légendes, dans les mythologies, et dans le livre, j'évoque notamment le cas d'Hermès. Comme si nous, on connaissait déjà, à travers nos productions culturelles et religieuses, dans nos légendes, eh bien, ce processus de manifestation d'un personnage à un moment donné. Eh bien, on se rend compte que dans les phénomènes paranormaux et ovnis, on a ce processus-là également, très fuyeur, très joueur, le processus, l'archétype du trickster, on pourrait dire. Et ces concepts, alors on va essayer de les développer ce soir, c'est notamment autour de cette notion d'archétype, parce qu'elle est centrale pour comprendre l'hypothèse que tu apportes sur tous ces phénomènes. Je voulais commencer par un petit texte ce soir. C'est pas un texte extrait du livre, c'est un commentaire que tu as posté sur les réseaux avant ton émission, et où tu expliquais un certain stress qui n'était pas tant lié au fait de paraître à l'antenne devant les Nuriens ce soir, mais plutôt le stress de vouloir correctement retranscrire, donner les éléments importants autour de ce livre. Et tu l'as très bien fait dans un post, et je me suis dit, bah, servons-nous, allons-y franchement. Ah d'accord, Donc mon poste là Facebook. aussi, et dans ce post, tu nous dis, j'ai envie d'expliquer que ces phénomènes, donc là quand on dit phénomène, on va voir ce soir, ça touche aussi bien au paranormal. Qu'à des phénomènes tels que les expériences de mort imminente, les synchronicités, le phénomène ufologique, et puis on va même pouvoir l'élargir. Moi, j'y vais direct les pieds dans le plat, cryptozoologie, etc., etc. Vous allez voir, je pense que 90% des thématiques abordées sur Nuria, l'hypothèse que tu avances et que toi et tes co-auteurs avancés dans le livre, si elle est juste, explique une bonne partie de ces phénomènes. Ça, on va y revenir. Donc j'ai envie d'expliquer que ces phénomènes nous reflètent et sont fuyants, tels des rêves dont on voudrait se souvenir, bien que laissant des traces matérielles. Expliquer que ces phénomènes, même si matériels et réels, semblent provenir de nous tout autant que de l'extérieur de nous. De l'au-delà ou d'une lointaine galaxie, par exemple, des mots, éponges et métaphores de notre volonté de ne pas remettre en question notre réalité déjà très étrange. Dans nos rêves, chaque nuit, nous nous laissons surprendre par des scènes dont nous sommes pourtant nous-mêmes et rien que nous-mêmes les auteurs. Se pourrait-il que ces phénomènes soient le même processus projeté cette fois-ci à l'échelle du monde dit réel? Se pourrait-il que la réalité soit un immense tout psychique, un rêve, point d'interrogation? Je crois que c'est une entrée en matière qui me semblait intéressante, qui apporte un résumé sur le livre, sur le titre de l'émission. Notre réalité est-elle un rêve? Et on va voir en quoi cette hypothèse-là est tout à fait plausible. Je crois que je parle trop sur les réseaux sociaux. On vit une époque, on peut plus vivre caché, Laurent. Pour la petite histoire, j'ai eu un moment de trac hier soir vers minuit. Bah, tu sais, une sortie de livre, c'est stressant, c'est vraiment stressant. Et j'ai eu cette. Est-ce que j'arriverai vraiment à expliquer ce que j'ai envie d'expliquer aux gens demain, sachant ma fatigue, parce que je suis fatigué en ce moment, sachant le trac, sachant l'envie de bien faire que j'ai. J'ai des co-auteurs cette fois-ci, je suis pas tout seul. Il y a beaucoup de choses qui ont changé par rapport à il y a 4 ans. Et je vais essayer de faire au mieux. Mais je crois que ce petit résumé-là pose déjà bien les enjeux. Pose les bases. Et moi, je vous le dis, je partage le même stress que toi. Je n'ai pas participé à la rédaction du livre, mais pareil, je vous le dis d'entrée de jeu, les Nuréens, vous pouvez l'écrire, le répéter, ne surtout pas le déformer. Pour moi, c'est le livre de la rentrée. Alors, j'ai une chance extraordinaire. J'adore lire, j'adore les bouquins, j'adore les bons auteurs, que ce soit de la fiction ou des essais comme celui-ci. J'ai eu la chance la semaine dernière d'accueillir Pascal Bouchet pour son dernier livre sur l'alchimie qui était excellentissime et qui d'ailleurs, synchronicité ou pas, nous a parlé d'Hermès, nous a parlé d'énormément de concepts que j'ai retrouvés là-dedans, puisqu'il est aussi question un peu d'hermétisme en toile de fond. Et là, ce soir, ce bouquin, les amis, ouais, pour moi, c'est vraiment le livre de la rentrée. Si vous êtes soucieux de faire la lumière sur les phénomènes ovnis, paranormal, etc., c'est une hypothèse qu'il faut étudier vraiment très sérieusement. Non, on avait dit que tu dirais le livre de la décennie, Guillaume.
Le livre de la décennie. Écoute, pour moi, on va Ah. commencer par le livre de la rentrée, et puis on verra si dans l'année, un meilleur livre arrive sur ma table de chevet. J'en reçois un paquet et j'en lis beaucoup, mais celui-ci, Mamma Mia, les amis, vraiment, je suis enthousiaste. Je n'ai pas, je verrai, encore une fois, je tiens à rester humble. C'est pas parce qu'une théorie me paraît séduisante de prime abord que je vais en faire une vérité. Et je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là, toi le premier, Laurent. Mais celle-ci, en tout cas, me semble vraiment bien élaborée. Et j'espère que ce soir, on va réussir à transmettre des éléments qui réussiront non pas à vous convaincre de sa véracité, mais à aller la creuser, éventuellement se procurer le livre de Laurent, mais en tout cas, aller creuser autour de cette hypothèse qui fait avancer le Schmilblick et qui évite de trop tourner en rond, parce que je pense qu'on est nombreux, passionnés de phénomènes paranormaux, UFO, etc., à avoir l'impression que la recherche tourne en rond et qu'on n'avance pas vraiment. Là, l'hypothèse est séduisante. On va commencer déjà par ton histoire personnelle, Laurent, parce que ce premier livre dont on a parlé tout à l'heure, Des coups de fil de l'au-delà, était motivé à la base, en tout cas, l'élément déclencheur. C'est une expérience que tu as vécue avec ces fameux téléphones. Est-ce que tu peux revenir pour nous sur cette expérience et nous expliquer un peu Oui, comment ça a été déclencheur d'une pensée, d'une construction de connaissances autour de l'inexpliqué? je propose d'y venir, d'y aller assez succinctement parce que bon, bah, il faudrait renvoyer à l'émission bien complète qu'on avait faite il y a 4 ans et qui est toujours pertinente, toujours, je ne changerai pas un mot. Alors, en 2004, suite au décès de ma chienne, j'ai été très affecté, très triste, comme je le suis à chaque fois quand je perds un ami. À quatre pattes, ça m'est arrivé quelques fois déjà. Quelques jours après, j'étais dans la voiture avec ma mère et mon frère à Nancy. On était à Nancy. J'habite dans l'Est, hein, en Lorraine. Et je fais cette réflexion en haute voix, en parlant de notre chienne. Hein, une réflexion très naïve, hein, parce que j'ai quand même, je crois, à l'époque, 29 ans. Donc on pourrait penser qu'à 29 ans, on a perdu un peu de sa naïveté, mais moi non. À ce moment-là, pourtant. J'ai cette réflexion en haute voix, je dis, j'espère que dans l'au-delà, on reverra nos chiens. Alors, c'est d'une pensée très naïve. J'ajoute, j'aimerais bien recevoir un signe. Et à ce moment très, très précis, je reçois sur mon téléphone portable un texto qui, en apparence, venait d'une étudiante qui faisait sa rentrée scolaire. Sauf que le texte, c'était le suivant. C'était « Hello, j'ai bien réussi mon intégration, tout se passe bien ». Signé Julie, le nom apparemment de l'étudiante, puisque par intégration, on était au mois de début octobre, j'en avais déduit qu'elle parlait d'intégration scolaire. Mais tout de suite, j'ai eu cette pensée à haute voix, je fais, bah tiens, en parlant de signe, est-ce que c'était ça? Le signe que j'ai demandé. Et quand je dis ça à haute voix, il y a ma mère et mon frère qui rient un peu, la main sur l'épaule, et qui me disent, oui Laurent, c'est cela, oui, tout à fait. Ça va aller mieux, hein? Encore quelques jours, ça ira mieux. Et puis ça nous fait sourire et on passe à autre chose. Mais c'était une drôle de coïncidence. Et le lendemain matin, cette fois-ci sur le téléphone fixe, commence un véritable phénomène très étrange que je vais pouvoir enregistrer. Alors pourquoi je vais l'enregistrer? Parce que à chaque fois qu'on décrochait, on n'entendait rien au bout du fil. Et quand on essayait, après un appel, donc après des sonneries, de savoir qui avait appelé en téléphonant, enfin en appelant France Télécom, eh bien on constatait que personne n'avait appelé France Télécom ne détectait pas l'appelant ou même pas n'avait pas détecté l'appel. Origine inconnue. Origine, même pas, n'avait pas appelé, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Alors que quand c'était un ami qui faisait sonner, par exemple, parce qu'on avait testé, ça fonctionnait. France Télécom était capable de nous dire qui avait appelé. Donc je me dis, je vais enregistrer pour aller à la police pour en parler. Parce qu'on est harcelé par quelqu'un. Bon, ben c'était pas ça en fait. Pas ça du tout, puisque le phénomène a été grandissant. Et s'est instauré à un moment donné une conversation parce que j'ai entendu qu'on me proposait de répondre par un coup pour oui, deux coups, non, deux coups pour oui, un coup pour non, c'était. Donc j'ai accepté de jouer ce jeu et de mener l'enquête pour faire parler ce qui était derrière l'appelant, pour ensuite aller à la police. C'était ça le but. Et puis à un moment donné, en même temps qu'on était dans une conversation avec cette chose, des rires se sont déposés sur le répondeur à l'époque. Cassette magnétique, des rires, mais pas moqueurs, des rires genre réunion de famille. Ces mêmes rires ont été entendus, tiens-toi bien, cette fois-ci, sur la ligne de téléphone portable de ma mère et de son copain de l'époque, de son compagnon. Cette fois-ci, sur le téléphone portable, donc sur la ligne.
les mêmes rires, la même chose. Et en partant de là, donc, on se dit, mais c'est quand même de plus en plus étrange ce truc. Et ça répond aux questions, finalement, et ça se trompe jamais. Et ça nous explique qu'en fait, ce serait mon grand-père qui serait décédé, qui serait avec ma chienne. Donc le portrait est aussi naïf que je l'étais à l'époque, sans doute, dans mon imagination de l'au-delà. Et ça répondait à mon angoisse, en tout cas. Et là où ça devient bizarre, extrêmement bizarre, mais ça l'est déjà avant, hein, quand tu as les rires qui se déposent tout seul sur le répondeur pendant que tu es en conversation, alors qu'à l'époque, ce n'était pas possible. Quand tu as des rires qui s'entendent, cette fois-ci, sur la ligne directe entre téléphone portable, c'est juste pas possible. Une de mes dernières questions, c'était ma chienne était trop vieille. La réponse est non. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma question. Et on entend le grand un grand allaitement d'un chien très fort, tu sais, je ne veux pas te limiter. Voilà. Mais un chien qui respire très fort. Et en fait, il faut savoir que ma chienne est décédée d'un cancer du poumon. Et là, tu as le sang qui se glace. Parce que juste après ce bruit-là de chien qui respire très fort, la ligne, tu entends une tonalité comme une tonalité continue. Bip, tu vois, chose qu'on n'entendait jamais, qu'on n'entend jamais en conversation, on n'entend pas de bip, qui ne s'interrompait pas, tu vois. Voilà. Et ça s'est reproduit deux fois, c'est-à-dire que ça a rappelé ensuite une heure après. Pareil, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, pourquoi? Tout d'un coup, le halètement fort d'un chien, comme pour signifier que c'est le chien qui est au bout du fil avec mon grand-père, et voilà. Donc, en apparence, oui, c'est absurde. On en a conscience. Et on en a tellement conscience qu'on met ça sous le tapis, qu'on n'en parle pas pendant 15 ans. Enfin, pendant 11 ans. 11 ans, j'en ai pas parlé. Avant de réfléchir dessus et d'écrire dessus. Mais pendant 11 ans, c'est tellement absurde. Et en même temps, objectif et réel, je peux toujours réécouter l'enregistrement 15 ans après, 18 ans après maintenant. Je me suis senti d'investiguer ça, de réfléchir à ce qui s'était vraiment passé, de voir quels étaient les autres auteurs, chercheurs qui avaient bossé sur ce phénomène-là, pour voir quelles étaient les hypothèses. Et je me suis souvenu d'une autre chose que j'avais vécue quelques mois après seulement ce phénomène des coups de téléphone et qui me met carrément sur la piste explicative que je propose et qui est débattue et proposée dans le livre Phénomène, c'est celle de l'archétype du trickster. Je te la fais courte. Quelques mois après donc, ces événements-là, je suis sur la route en train de rentrer, je suis enseignant à l'époque, ouais, je rentre de Metz, sur l'Ouï, ma ville, petite dédicace à nos amis langoviciens, et je m'endors au volant, à hauteur de Metz, sur la fameuse A31. Je suis quand même à 100 km/h à l'époque, je respectais pas trop la limitation, certainement, à moins que c'était encore pas limité, mais je sais que j'étais vite, 100-110. Et je m'endors. Et au moment où je m'endors, j'ai un rêve qu'on pourrait maintenant qualifier de rêve lucide. Si tu veux, c'est comme un rêve, c'est un rêve, mais c'est comme la réalité. Voilà. Dans laquelle je suis dans un théâtre, je vois un petit personnage typique du fou du roi ou du Joker, tu sais, avec son bonnet et ses cloches, qui me regarde, qui prend son temps, un temps même indécent, vu la dangerosité de la situation, et qui au dernier moment me fait comme ça, avec ses mains. Je ne sais pas si on les a vus, parce que je ne me vois pas, je n'ai pas le retour. On te voit. Il fait comme ça avec ses mains, et donc ça me fait me réveiller. Je braque la voiture, pas trop fort avec chance, parce que sinon ça m'aurait pu quand même me coûter cher, et je récupère la trajectoire et tout va bien. Mais si tu veux, ce rêve, il a duré quand même 30 secondes, je dirais. 30 secondes, au moins, parce que c'était lent. Le personnage de fou du roi, du trickster, de fou du roi, du joker, me regardait d'une manière très très lente, il faisait sonner ses cloches. Pour lui, le temps, si tu veux, ne passait pas comme il se passait dans ma réalité à moi. Et il m'a prévenu du danger et j'ai pu l'éviter. Mais très vite, j'ai compris quand même que ce petit personnage qui était apparu était peut-être en lien avec le phénomène paranormal que j'avais vécu quelques mois avant. Et c'est là que j'ai fait des recherches et que j'ai fait tourner Google. Et que j'ai cherché des synonymes à ce que j'appelais moi un joker ou un fou du roi, un bouffon. Parce que j'avais compris que ça ne m'appartenait pas. Je n'avais pas vu de fou du roi, de bouffon, etc. dans un film. Je n'avais pas joué aux cartes. Je n'avais C'était pas pas regardé le quelque chose téléphone. qui était dans ton imagerie Non, culturelle, du même si tout. tu as déjà dû Du tout. voir un Joker, mais c'est pas quelque chose qui était omniprésent dans ton imagerie personnelle. Du tout. Et ce personnage-là, donc, j'ai enquêté sur ce personnage-là, ce qui pouvait signifier peut-être à l'égard du paranormal. Et je suis tombé sur les écrits
de Jung, de Carl Jung, qui nous explique que ce personnage-là, c'est une des dernières images qu'on a de l'archétype du trickster. C'est-à-dire, c'est un personnage qui revient souvent dans l'histoire humaine et dans les cultures humaines, quelles qu'elles soient, aussi éloignées soient-elles. Cet archétype du trickster, c'est un personnage qui est joueur, hein, farceur, qui imite et qui, si tu veux, a un rôle disruptif dans les histoires parce qu'il arrive et il repart aussi vite. Hein, il a un petit rôle marginal, il intervient à des moments clés et surtout c'est un messager, c'est aussi un messager. Bon, et Carl Jung nous explique que cet archétype du trickster, peut-être qu'on le retrouve, enfin c'est pas peut-être, c'est selon lui on le retrouve dans les phénomènes de type poltergeist. Les poltergeists, je crois que les auditeurs de Nuria connaissent un petit peu, ce sont ces événements qui se produisent souvent dans l'environnement immédiat d'une personne qui serait souvent jeune. On a tendance à mettre souvent ça sur la personnalité un petit peu stressée, frustrée, perturbée, disons, d'une personne jeune, d'un ado. Et ça, là encore, c'est plutôt une image d'Épinal, la réalité est un peu plus complexe. Et donc, il se produirait des événements dans son environnement immédiat, dans son appartement, dans sa maison, des coups qu'on entendrait contre les murs, voire même des imitations, enfin, pas des imitations, mais des bruits humains, des pas. Des rires, des pleurs, des choses comme ça. Avec le poltergeist, on va revenir d'ailleurs sur une histoire assez connue qui s'est passée en 73, le poltergeist dans la commune de La Machine. On voit directement qu'il y a un lien entre le phénomène observé, les coups dans les murs, les échanges qu'il peut y avoir ou autres phénomènes, et une personne présente sur les lieux. On voit que le poltergeist ne se manifeste qu'en présence de cette personne. Est-ce que tu peux, pour ceux de nos auditeurs qui ne connaîtraient pas forcément les caractéristiques précises d'un poltergeist, revenir pour nous sur cette histoire de la machine qui est un des cas les plus célèbres en France. Alors moi, ce cas de la machine me passionne parce que le processus de communication de ce poltergeist, c'était des coups contre les murs. Et apparemment, le phénomène était intelligent puisqu'il répondait intelligemment aux questions posées par les gendarmes. Il y a eu des enregistrements qu'on peut d'ailleurs retrouver sur Google. La dernière fois que j'ai cherché, je les ai retrouvés. Et ça me passionne parce que la méthode de communication du phénomène avec donc les personnes qui étaient présentes, à savoir un enfant donc qui était le premier témoin, et peut-être inconsciemment lui-même activateur de ce phénomène, et les parents et les gendarmes qui étaient présents aussi pour enquêter. Alors le phénomène, comme dans mon cas à moi de coup de téléphone finalement, communiquait avec un pseudo-morse, on peut dire, puisque c'était lui, je crois que c'était un coup pour oui et deux coups pour non. Donc l'inverse de moi, je crois. Donc ce phénomène-là utilise et paraît intelligent, il paraît même savoir des choses que impossible à savoir, même pour des gens qui seraient présents dans la scène. Par exemple, le gendarme va demander, par exemple, combien de balles il a dans le barillet de son revolver. Le phénomène le saura. Il va répondre, donc, il va faire sept petits coups contre le mur pour montrer qu'il sait combien il y a de balles dans le barillet. Combien il y a de gendarmes à la brigade. Là aussi, le phénomène ne se trompe pas, il répond juste. Et c'est d'autant plus étrange que le compte est bon. Seulement parce que le matin, deux nouveaux gendarmes sont arrivés. Donc, et là, le phénomène, au moment où il pose la question, répond juste en tenant compte donc du fait que deux nouveaux gendarmes viennent d'arriver. Il est même bon dans la prédiction, parce qu'à un moment donné, ça devient burlesque. On demande au phénomène quels seront les résultats du tiercé. Le phénomène arrive à en donner deux sur trois des arrivants. Et le pire, c'est que dans ce cas-là, le troisième, pourquoi il se trompe? Ben parce que le cheval est blessé ou non partant au dernier moment, alors qu'il était favori. On est là dans le burlesque, et ça devient encore plus burlesque quand le phénomène peut bat à mesure que l'enfant chante, par exemple. Et là, ça devient grandiloquent, on peut se dire c'est absurde. Eh bien oui. C'est absurde. Le seul problème, c'est que c'est objectif, réel et paranormal. Puisque à l'époque, toutes les thèses, toutes les hypothèses, pardon, prosaïques, hein, c'est-à-dire rationnelles, avaient été envisagées, testées par les gendarmes présents, et on n'avait rien trouvé de manière à expliquer, et encore moins de manière à expliquer l'omniscience du phénomène sur à la fois le nombre de balles
dans le revolver, le nombre de gendarmes présents à la gendarmerie, qui venait justement d'être celui que le phénomène affirmait, et être capable d'anticiper les résultats d'un tiercé qui allait avoir lieu le lendemain. Donc voilà, on est dans le burlesque, l'absurde, et on est aussi dans le paranormal. Et c'est ça que j'ai saisi dans le phénomène des coups de téléphone. Dans bien des cas, oui, l'hypothèse que les défunts peuvent nous contacter via différents moyens est probable, au sens où possible. Je ne sais pas comment le dire au mieux. Oui, je ne suis pas en train de dire qu'on est toujours face à quelque chose de farceur, etc. Mais quelquefois, on est face aussi à quelque chose qui semble joueur, qui semble très élusif, c'est-à-dire très fuyant. On définira le terme un peu plus tard, peut-être, d'élusivité. Très fuyant, mais qui, en même temps, semble nous connaître extrêmement bien, voire même nos plus petits secrets. Il nous, Donc, on est sur un phénomène qui même parfois nous connaît mieux que nous ne nous connaissons nous-mêmes. voilà, En et qui référence, tu, joue, pas, qui en joue, et qui en joue. et qui en joue. Alors tu parlais justement de l'origine de ces phénomènes et tu disais bah, peut-être que certains de ces phénomènes sont vraiment des défunts qui par un biais ou un autre arrivent à rentrer en contact avec nous. Il y a quand même un cas qui prouve que ce n'est pas forcément cette voie-là qu'il faut suivre. Encore une fois, ce n'est pas parce que l'hypothèse qui va être présentée ce soir peut répondre à nombre de cas qu'elle répond à tous. Ce n'est pas pour ça qu'il n'y aura peut-être pas des phénomènes paranormaux avec des vraies manifestations de défunts ou des vrais ovnis avec des vrais êtres exogènes venus de contrées lointaines. Mais en tout cas, ce soir, l'hypothèse va répondre à un nombre de cas assez impressionnant. Et sur le paranormal, je voulais prendre ce cas qui est dans le livre, qui concerne ce qu'on appelle les appels par intention. C'est-à-dire qu'il y a des appels, on l'a vu avec le titre de ton livre, les coups de fil de l'au-delà, donc supposés des défunts. Et puis il y a des appels par intention. Je vous lis une petite histoire très rapide. Linda Lovelace, star du porno des années 80, ça ne s'invente pas, était battue par son mari. Là déjà, c'est moins gai. Un jour, alors qu'elle était dans un motel et que la situation s'aggravait, elle vit débarquer son père et sa mère venus la chercher, conformément, dirent-ils, à ce que Linda leur avait demandé par téléphone. Les parents ont précisé. Tu étais en pleurs, tu nous as expliqué et donné l'adresse de ce motel et tu nous as demandé de venir le plus vite possible. Linda a assuré qu'elle ne les avait jamais appelés. Des années plus tard, elle continue de s'interroger sur ce qui a pu se passer. Là, on est dans le même type de phénomène, c'est-à-dire que les parents de cette Linda ont reçu un appel. J'imagine qu'ils ont pensé avoir leur fille, la voix tout au téléphone, sauf que Linda confirme par A plus B qu'elle n'a jamais passé cet appel. Ouais. Et ce n'est pas un cas unique, hein. Il y a d'autres cas, je les évoque dans mes livres, plus longuement dans Des coups de fil que dans Phénomène. On a parfois, effectivement, semble-t-il, quelque chose qui se dissocie d'une personne et qui passe l'appel plutôt que la personne quand elle en a envie. C'est arrivé également à Scott Rogo. Scott Rogo, c'est un parapsychologue et chercheur dans le paranormal qui avait écrit justement sur le phénomène des coups de téléphone post-mortem, qui lui-même avait vécu donc ce fameux appel par intention. On a donc des cas où on n'est pas obligé de supposer l'existence de défunts qui feraient le boulot, hein, puisque d'appeler des vivants, puisque là on a la voix, on a l'intelligence presque d'un vivant qui passe l'appel alors que cette personne précise qu'elle est certaine de n'avoir jamais appelé. Il y a un autre cas dans Phénomène qui est extraordinaire. Peut-être si tu veux, on en parle. Je t'en Le prie. cas de Cindy avec sa chienne, sa fifi. Elle amène sa chienne, qu'elle appelle sa fifi, au vétérinaire. La chienne est très malade et ils savent qu'elle n'en a plus pour longtemps. Elle l'amène avec son conjoint donc chez le vétérinaire. Et alors qu'ils sont en route à 2 h du matin, avec la catastrophe qui s'annonce et le stress et la psychologie qui va avec, je connais ces moments-là, c'est pour ça que je le dis, ils reçoivent un appel. C'est le téléphone de son conjoint, si je me souviens bien, qui reçoit l'appel. Donc elle décroche, et c'est une femme au bout du fil. Et elle entend, aide-moi, 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 fais quelque chose.
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? J'ai autre chose à gérer. Moi, je suis en train d'amener ma chienne chez le vétérinaire. Et la personne de voix féminine, donc au bout du fil, continue et insiste. Elle dit, mais c'est moi, c'est ta fifille. Et là, pareil, son sang se glace, hein, puisque elle réalise qu'elle appelle sa chienne, ma fifille. Et au moment où la personne dit, c'est moi, c'est ta fifille, la ligne fait un bip. Pareil. La communication s'éteint. Donc là, c'est pareil, un coup incroyable, un stress incroyable, le temps de digérer ça, ils ne l'ont même pas parce qu'il faut vite emmener le chien chez le vétérinaire et 30, 20 minutes après, ils sont devant le vétérinaire, donc ils passent à autre chose. Mais depuis, ça ne l'a jamais quitté et elle a vu vite le rapprochement. Comment se fait-il qu'à ce moment précis, moi, je reçois un coup de téléphone, je crois que le numéro, c'était un numéro inconnu, et au bout du fil, c'est moi, c'est ta fifi, alors que sa chienne l'a toujours appelée ma fifi, quoi. C'est assez bluffant et on retrouve une caractéristique qu'on va avoir dans plein de phénomènes dont on va parler ce soir. Tu te parlais tout à l'heure de ce côté grandiloquent. Il y a un côté même absurde. On imagine cette scène avec cette dame dans la voiture. On imagine le chien sur la banquette arrière en direction de la clinique vétérinaire et elle reçoit dans la voiture un appel de ce chien mais qui lui est derrière. Enfin, il y a ce côté absurde qui revient fréquemment. Voilà, c'est cette dimension absurde qui des fois fait que les gens ne témoignent pas, ne vont pas témoigner. Moi, j'ai mis ça sous un tapis. Tu t'imagines, moi, à l'époque, je suis étudiant en thèse, donc je suis censé savoir un petit peu, avoir un minimum de rationalité. Je mets ça sous un tapis, je ne peux pas en parler. Et j'en ai même pas parlé à ma famille directe pendant très longtemps. Enfin, je pense à ma famille en dehors de ma mère et de mon frère, hein. Parce que, ah non, c'est débile, c'est absurde, c'est juste pas possible. Sauf que l'enregistrement, je l'ai toujours. Les faits, je les avais notifiés à l'époque par oral en plus, hein, sur la cassette. Donc je savais que tout ce que je voyais à ce moment-là, c'était noté et je peux toujours réécouter les faits tels qu'ils se sont déroulés à ce moment-là. Alors toi, tu peux réécouter nombre de cas que tu avais documentés dans ce premier livre, et on en retrouve certains dans le nouveau. Là, par contre, on retrouve ce principe d'élusivité, et ça va nous permettre de définir un peu ce terme qui peut sembler barbare de prime abord, c'est-à-dire que les messages enregistrés, certains ont eu un message, l'ont écouté deux fois, ça disparaît, ou alors ce que tu nous disais tout à l'heure, on cherche l'origine de l'appel, et l'opérateur dit que c'est un appel sans origine, qui vient de nulle part. C'est ce principe-là d'élusivité, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, et en quoi il est important cette notion d'élusivité? Elle est importante pour comprendre cette hypothèse autour des archétypes et autour du trickster. Ben, en fait, ce terme-là, c'est un terme français qui avait été apporté par Bertrand Meilleux, qui nous a fait l'honneur de faire la préface à l'art, qui est un philosophe, sociologue, quelqu'un vraiment de très très érudit et de très intelligent, et qui, dès les années 70-80, avait ramené ce terme-là de l'anglais, elusiveness, pour définir en fait le côté fuyant, le côté difficile à objectiver des phénomènes liés plutôt au domaine ovni. Mais très vite, on s'est rendu compte que c'était la même chose dans le domaine du paranormal, que c'était bien souvent des phénomènes qu'on n'arrivait pas à objectiver et à mettre, si tu veux, sur la place publique. Justement, les cas type spontané, poltergeist, etc., on a du mal à les filmer, les enregistrer, avoir des enregistrements vocaux de qualité, etc., pour pouvoir ensuite dire, regardez et prouver au monde entier que, et à nos amis sceptiques que, regardez, le paranormal, c'est une réalité. Et ça, les chercheurs dans le domaine du paranormal l'ont très bien compris. L'ont très bien compris, c'est que ces phénomènes adorent jouer avec nous, mais à un niveau global. Pas seulement pour les gens témoins de ces phénomènes, mais c'est comme si ces phénomènes connaissaient les tenants et les aboutissants. Je pense même que moi, ce que j'ai vécu, on m'en a donné juste assez pour peut-être nourrir ma réflexion, peut-être faire ce que je fais aujourd'hui, mais pas trop non plus. Tu vois? C'est comme si ces phénomènes connaissaient les tenants et les aboutissants, et on va juste apporter un élément perturbant, paranormal, oui, mais jamais assez pour le montrer à la face du monde entier. Alors oui, concrètement, c'est quoi? C'est des messages qui s'effacent après les avoir lus, messages audio ou messages texto. On a ça régulièrement. On a dans le domaine OVNI également. Des phénomènes qui laissent très peu de traces finalement.
Ou alors, on aura du mal parce que c'est à ce moment-là très mal filmé, ou parce que justement, la personne a vu l'objet, c'était sur son écran lorsqu'elle a pris enfin, son appareil photo, mais quand elle, à un moment donné, va tirer la photo, ben, il n'y a plus rien. Voilà. Donc ça, c'est typique de l'illusivité. C'est d'ailleurs un reproche que font généralement les sceptiques aux tenants et aux croyants du phénomène OVNI en tant que manifestation extraterrestre, de dire, avec toutes les manifestations à l'époque où tout le monde a un smartphone de quoi faire des vidéos, nous les premiers à Nuria TV, on nous envoie quelquefois, les auditeurs nous envoient des vidéos, et c'est très dur de pouvoir utiliser ces vidéos pour en faire des preuves. On voit des points lumineux, autres, certaines sont débunkées, d'autres pas, mais en tout cas, on retrouve ce phénomène. Il n'y a pas la preuve ultime de l'OVNI et de son origine. Oui, surtout que le phénomène dans le domaine OVNI, par exemple, alors moi je ne suis pas ufologue, je m'excuse auprès de nos amis ufologues, mais ils vont comprendre ce que je dis peut-être, ils vont m'excuser pour certaines imprécisions, mais par exemple, on peut avoir des phénomènes OVNI qui accompagnent des phénomènes réels, par exemple une rentrée atmosphérique de quoi que ce soit peut s'accompagner d'un phénomène OVNI bien légitime. Donc on a des gens qui disent j'ai observé un OVNI, un truc triangulaire, etc., dense, avec des lumières, etc. Et en même temps, vous allez avoir ben, les sceptiques ou bien même les enquêteurs, tout simplement, qui vont dire ben, attendez, c'était une rentrée atmosphérique. Et vous allez avoir des témoins, et parfois des témoins très compétents, qui vont dire non, 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 c'est ce que j'ai vu moi, c'était pas une rentrée atmosphérique. Donc on a même les phénomènes qui s'accompagnent d'éléments naturels, parfois. Oui, il y a toujours ce camouflage. Un camouflage permanent de Le ces. phénomène se donne à voir, mais pas trop. C'est Et ça. on va voir que ce qui donne à voir, là aussi, ça fait sens. Avant de poursuivre, il va falloir qu'on s'attaque à une notion centrale autour de ce livre. On va essayer, c'est une notion qui est difficile à aborder. Elle a été mise en avant par Carl Jung. C'est la notion d'archétype, puisque le thème central du livre. En gros, et si mes mots sont mal choisis, n'hésite pas à me corriger. En gros, ces archétypes, ce sont eux qui sont à la base des manifestations que nous percevons. Ces archétypes sont des structures de la pensée collective, de l'inconscient collectif, mais ne sont pas que des structures, elles peuvent aussi interagir et avoir une incidence sur la matière et donc se matérialiser à travers notamment les phénomènes dont nous parlons ce soir. Est-ce que Tout à toi, fait. tu peux nous en dire un peu plus sur le... Peut-être qu'avec des mots différents, certains comprendront peut-être un peu mieux ce que je tente d'expliquer sur ces archétypes dévoilés par Carl Jung. Ouais, alors la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas que Carl Jung qui a parlé des archétypes. On a Lévi-Strauss, également un anthropologue. Donc là, ça va rassurer les auditeurs plus sceptiques ou plus qui se veulent plus rationalistes. Les archétypes, on les rencontre un peu partout dans le monde, dans différentes cultures, à travers leurs manifestations ou les symboles qui sont générés dans ben justement les créations artistiques, culturelles, locales. On retrouve des invariants, si tu veux, des mythes identiques, quelle que soit la géographie. Et donc les archétypes seraient des constituants d'une conscience, ou plutôt de l'inconscient ben des peuples. Mais on remarque qu'ils sont partout. Qui s'expriment partout, peut-être pas de la même manière, mais qui sont présents partout, Ils de la sont même manière. universels. Ils sont universels. Ainsi, il y a des grands mythes, des grandes figures, la figure de la mère, la figure de la mère déesse, la figure du héros, la figure ben, du trickster que j'avais évoqué tout à l'heure, hein, ce petit personnage disruptif, joueur, messager, et qui va un petit peu apporter une solution à une tension existante dans une communauté. On a des personnages comme ça, le héros, hein, ou le sauveur. Hein, voilà. On a ces personnages-là typiques qui apparaissent dans différentes cultures. On pourrait donc appeler ces archétypes aussi des instincts. Des instincts. Il existe aussi des archétypes plus internes, c'est-à-dire propres à la psyché, à notre psyché individuelle. Par exemple, il y aurait ce qu'on appelle le moi, hein, c'est-à-dire l'ego, la personne qu'on croit être, en tous les cas. Il y aurait ce que Jung appelait l'ombre et que Freud appelait l'inconscient personnel, vous savez, ce qu'on refoule, et notamment les choses de nous qu'on refoule parce qu'on ne veut pas les voir. On les voit surtout chez les autres quand ça nous énerve, mais chez nous, on les refoule, on ne veut pas les voir. Il y aurait donc certaines choses comme ça, ou le masque aussi, le masque est un archétype, hein, c'est-à-dire l'image qu'on veut absolument projeter sur le monde entier, hein, le reste du monde,
qui n'est pas la personne qu'on est quand on est tout seul à la maison. Donc ça, ces attitudes-là, ces modes de représentation du réel, eh bien, c'est des choses qui seraient partagées par l'ensemble de la population, même mondiale, sous des symboles, sous des manifestations parfois différentes, mais les processus à l'œuvre seraient identiques. Et ça, ce sont les anthropologues qui le confirment. Carl Jung est bien sûr de cet avis, mais Carl Jung, sur la fin de sa vie, dans les années 50 notamment, il va encore plus loin. Je te l'ai dit tout à l'heure, il fait le lien entre l'archétype, pardon, du trickster et les poltergeists dans les phénomènes paranormaux. Et donc, il dit, les phénomènes paranormaux surviennent spontanément à un moment de crise psychologique d'une personne. Ces phénomènes poltergeist sont joueurs, ces phénomènes sont très fuyants, il le remarque aussi, hein, communiquent très très mal. Donc, il pense que ça relève d'un très vieux mythe, hein, celui du trickster, et qui remonterait à des milliers d'années, finalement, dans la pensée humaine. Sauf que là, on a des conséquences sur la réalité tout entière. Et puis il va encore un peu plus loin et il dit à un moment donné, les synchronicités, dont on pourra juste après peut-être définir le terme, mais je crois que les auditeurs savent, tes auditeurs connaissent ce que c'est que la coïncidence qu'on appelle synchronicité, eh bien, serait le résultat de la manifestation d'un archétype. Et ça, il le dit. Ça veut dire que, en d'autres termes, il est en train de nous dire que les archétypes, en fait, concernent la réalité totale. Pas seulement la psychologie humaine, mais la réalité total. Et en cela, il utilisait un terme qui était de dire que les archétypes étaient psychoïdes, c'est-à-dire qu'ils traversaient la subjectivité pour aller dans l'objectivité, dans le monde réel. Ils traversaient la psychologie pour aller dans le matériel. Il passe d'un monde à l'autre et on va le voir, certaines références de ce fameux trickster, il y a ce dieu Hermès, on va être amené à en parler. Quelques phrases puisées à droite et à gauche à la lecture du livre qui vont peut-être permettre de comprendre, parce qu'encore une fois, c'est des notions qui sont un peu complexes, un peu, elles sont élusives aussi, ces notions. Tout comme le trickster, la notion Absolument. d'archétype est un peu élusive. Donc des fois, une phrase peut faire tilt. Je vous en dis quelques-unes que j'ai retenues. Une qui disait que les archétypes sont en quelque sorte notre système d'exploitation du réel. Ah, ça c'est de moi. Je suis assez fier de cette Et formulation. je... Voilà, Qu'est-ce c'est que un tu en peu... penses? Ben ouais, c'est cette notion de logiciel. Voilà. Enfin, voilà, ça peut parler à certains. Système de représentation du réel. Alors, c'est vrai jusqu'à un certain point. Ça se discute, ça peut se discuter. Les Jungiens, ils vont discuter ça. Hein, ils peuvent me discuter. Ils ont déjà commencé, là, ça se trouve. Et on en discutera parce que tout est sujet à débat, tout est sujet à discussion. Et surtout que sur la fin, Jung, il nous disait, attention, les archétypes sont psychoïdes, ils concernent la réalité tout entière. D'ailleurs, peut-être que les nombres, tu sais, on se demande toujours si les nombres, c'est nous qui les avons inventés ou s'ils existent dans la réalité. Eh bien, peut-être qu'ils seraient des archétypes, c'est-à-dire à la fois dans notre psyché et dans la réalité. Là aussi, il y a à creuser sur les nombres. Alors, pour Jung, d'autres synonymes d'archétypes, pour lui, les archétypes représentent les bases, les structures, les constituants, les processus même de ce qu'il appelle l'inconscient collectif. Et cet inconscient collectif, il y a un autre mot pour le définir. Dans le livre, vous êtes plusieurs des auteurs à parler d'âme du monde. C'est un terme assez beau et qui veut dire ce qu'il veut dire. Voilà, Jung en parlait aussi sous ce terme-là, et ça ressuscite aussi ce que pensait Platon. L'idée que finalement, on a eu tort peut-être d'enfermer ce qu'on appelle l'inconscient dans nos cerveaux. Et ça, on l'a fait depuis dans le monde occidental depuis 2-3 siècles, depuis l'essor du rationalisme, hein, du scientisme même. On a eu tendance à enfermer l'inconscient, ou la conscience en général, de toute façon, dans nos cerveaux. Et à croire qu'on avait simplement chacun un inconscient personnel. En vérité, on se rend compte que l'inconscient collectif, à travers des archétypes qui sont universaux, je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, concernerait la population entière, le monde entier. Et en cela, Jung pense même que l'inconscient collectif, en fait, est partout. Il serait partout. Et que la réalité elle-même serait psyché. C'est-à-dire que la réalité serait exactement comme on le pense au terme d'individu, c'est-à-dire qu'on aurait une partie consciente, oui, et une partie inconsciente, comme pour un individu, c'est-à-dire on a notre conscience et notre inconscient, ben, on le connaît l'inconscient, hein, c'est lui qui se manifeste la nuit quand on rêve. On a affaire aux deux faces d'une seule et même pièce.
Voilà, sauf que maintenant, au lieu d'enfermer la conscience et l'inconscient dans nos cerveaux, on va considérer le problème au niveau global. Et c'est l'invitation qui est faite dans ce livre. C'est-à-dire que la réalité pourrait être à la fois dans une dimension consciente dans laquelle on évolue quotidiennement, c'est notre réalité telle qu'on la connaît, mais la partie inconsciente pourrait surgir au moment où, de ces moments paranormaux, hein, qu'on appelle donc les phénomènes ovnis et phénomènes paranormaux de toutes sortes, spontanés ou parfois qu'on arrive à tester de manière, enfin, avec des études et des méthodes parapsychologiques, eh bien, ce serait à chaque fois les mêmes manifestations inconscientes. Une autre expression tirée du livre que j'ai trouvée très parlante, c'était de se dire, plutôt que de se demander si la psyché était à l'intérieur du cerveau, demandons-nous si le cerveau n'est pas à l'intérieur de la psyché. Voilà, c'est ça. On est dans un monde tout entièrement psychique. C'est ça. C'est une proposition qui est faite donc dans le livre, hein, même si la démonstration, on l'a fait étape par étape, brique après brique. Eh bien, en vérité, voilà, ce serait la réalité qui serait psychique. Et donc, on peut aller sans vouloir se dévaloriser, dire que finalement, on a été un petit peu fort en parlant de réalité comme étant un rêve, mais c'est pour que tout le monde comprenne ce que veut dire un tout psychique. C'est-à-dire que peut-être que même la matière est une conséquence, conséquence de la conscience et du psychisme, en fait. Alors, ces notions d'archétypes sont bien plus anciens que les travaux de Carl Jung, et on les trouve chez les penseurs anciens, notamment dans la Grèce antique. Parce que, rappelez-vous les amis, au début de l'émission, je vous ai dit, mettez vos croyances de côté, ne serait-ce que pendant ces 7 h 30, ces 2 heures qu'on va passer ensemble. Et sur cette notion-là qu'on va aborder, surtout mettez-les vraiment de côté. Ça ne veut pas dire qu'il faut les jeter, ça ne veut pas dire que je juge vos croyances, mais pour appréhender ça, il faut les mettre de côté. Chez les Grecs, ces archétypes, il y avait un mot, c'était les daimons, Daimo avec un accent circonflexe, NS. Donc, tout de suite, quand je dis les daimons, tout le monde se dit les démons, et il y a un lien, on verra qu'il y a eu galvaudage en cours de route. Qu'est-ce que c'était que ces daimons chez les Grecs anciens, et quelle était cette pensée des anciens sur ces archétypes? Bon, les anciens n'étaient pas plus bêtes que nous et ils constataient également donc probablement des phénomènes dits paranormaux ou surnaturels. Sauf qu'ils ne les appelaient pas comme ça à l'époque, hein, ou même ce qu'on appellerait peut-être maintenant, je ne sais pas, mais peut-être qu'ils nous observaient, et quand on voit la définition qu'ils font des daimons, peut-être qu'ils observaient déjà des choses dans le ciel, donc ce qu'on appellerait nous maintenant des ovnis. Donc ils avaient qualifié et décrit ces daimons, ils leur avaient donné des caractéristiques précises, comme étant des messagers, comme étant de nature divine ou quasi-divine, hein, puisqu'ils feraient eux aussi ce rôle de médiateur entre notre monde à nous et le monde divin. On leur attribuait aussi des qualités de perception de nos propres sentiments. Pour certains philosophes comme Socrate, le daimon était personnel, c'est-à-dire c'était presque un double, un double de nous qui, un guide, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un guide personnel, un guide, certains parlent de guide spirituel. Donc, on aurait donc déjà ces entités-là qui étaient déjà définies avec des caractéristiques très semblables avec ce qu'on utilise aujourd'hui pour qualifier donc ces daimons. Ils avaient donc, ces philosophes, déjà cerné le problème et ils l'avaient qualifié ainsi. C'est avec le christianisme que les daimons se sont un peu polarisés en démons, c'est-à-dire en entités néfastes. Oui, On leur c'est-à-dire a. qu'il y a un accent tout de suite péjoratif. On en a fait la part de l'ombre en opposition à la lumière, le bien, le mal. Bah, tiens, les C'est daimons ça. devenaient le mal, alors que chez les Grecs, il n'y avait pas cette connotation-là. Même s'ils sont joueurs, même si on retrouve les caractéristiques qu'on a chez le trickster notamment, qui sont farceurs et élusifs, etc., mais ils n'ont pas cette notion du malin. Voilà. Il n'y avait pas cette notion négative apportée au daimon, et ils étaient plutôt même considérés par certains des philosophes comme étant des gardiens, nos gardiens. Donc ils ne les envisageaient pas de manière négative, au sens où on l'entend habituellement. Mais après, on retrouve cette daimonologie dans le folklore.
hein, au Moyen Âge ou même un peu avant le Moyen Âge, à travers les petits peuples, hein, les lutins, les trolls, etc., qui là aussi ont des capacités un peu paranormales d'intervenir, de rentrer dans notre monde, parfois même de nous abducter pour nous emmener dans le leur. On a déjà des récits comme ça qui datent du Moyen Âge et qui finalement font penser que là, on est encore là dans le daimon. Le daimon, c'est quelque chose qui est toujours difficile à cerner, toujours ambivalent, toujours un peu rigolo, mais très sérieux dans son pouvoir. On a donc une continuation de la pensée démonologique avec le folklore dans le Moyen Âge, des petits êtres un peu farfelus, mais capables de choses paranormales très étranges. D'ailleurs, il y a cette citation de Jacques Vallée, donc Jacques Vallée, un ufologue qu'on ne présente plus, hein, ufologue émérite, qui dit: « Il n'y a aucun espoir de comprendre le phénomène tant que nous n'aurons pas reconnu qu'ils existaient déjà dans les récits de l'Antiquité et du Moyen Âge. » Et c'est à travers ces termes de Daimon qu'on les retrouvait notamment dans l'Antiquité. Voilà, on avait déjà des phénomènes donc très étranges qui correspondaient donc et qui ont interpellé les philosophes de l'époque parce que bon, ben, tout le monde n'était pas doué de la capacité à écrire ou à raisonner. Et c'est que avec les philosophes qu'on a pu à un moment donné conceptualiser, rationaliser cette histoire de ben, d'entité, d'être et de pour les caractériser au mieux. Et je trouve qu'ils y sont parvenus quand même admirablement. Par rapport à nous. Pour poursuivre un petit peu sur cette notion d'archétype, parce que tout ça, j'imagine, pour nos auditeurs, peut rester encore un peu vague, on l'a vu, on a face à des structures fondamentales de la psyché collective. Maintenant, ce qui reste à comprendre, c'est que ces psychés fondamentales se manifestent dans la matière. Et là, nous qui avons, avec nos sociétés ultra-rationalistes, qui a bien séparé la matière de l'esprit, et ces deux mondes sont cloisonnés, on a du mal à comprendre qu'un concept psychique puisse influer sur la matière, et pourtant c'est le cas. Et on va parler d'un exemple qui a été sujet à controverse, mais je trouve qu'il y a quand même des éléments qui laissent penser qu'on n'est pas face à une manipulation. J'en parlerai. On va parler du cas Ted Serios. Ted Serios, donc un être humain capable de projeter sur pellicule, sans appuyer sur le bouton de la photo, une image en pensée et de la reproduire sur la pellicule. Là aussi, est-ce que tu peux nous résumer en gros le cas Ted Serios et nous expliquer en quoi il nous apporte un éclairage sur cette soi-disant frontière entre monde subjectif et monde objectif? Alors, c'est quelqu'un dans les années 60-70 aux États-Unis qui prétend être capable d'imprimer ben, sur un appareil photo. À l'époque, donc, c'est un Polaroid, donc la photo sort instantanément. Ses pensées. Ça, pendant plusieurs années, donc, et des centaines d'expérimentations sont faites. Et elles sont faites par un psychiatre, Jules Eisenberg, et même par Ian Stevenson. Ian Stevenson, peut-être que parmi tes auditeurs, certains le connaissent, c'est quelqu'un qui a étudié très sérieusement, puisque lui aussi, il était professeur dans les universités, hein, professeur de psychologie dans les universités. Eh bien, il avait été étudié par cette personne-là de manière très scientifique, très, très sérieuse. Il avait donc montré des capacités apparemment à projeter ses pensées effectivement sur des photos. Et parfois, donc, les expériences consistaient à cacher une cible dans une enveloppe. Donc, Ted Serios ne la voyait pas et on lui disait, essaye d'imprimer sur l'appareil photo ce que tu vois. Et d'ailleurs, quand il commençait à parler, hein, il buvait beaucoup pour faire ses expériences et il se mettait probablement lui-même dans un autre état psychologique pour pouvoir produire ce qu'il devait produire. Et il commençait déjà à donner la réponse de ce qu'il y avait dans l'enveloppe cachetée. Et apparemment, donc, il a parvenu à imprimer ce qui était effectivement la cible ou quelque chose se rapprochant de la cible souvent. C'est-à-dire, on lui montrait une maison et il imprimait soit la maison, plus ou moins, soit le quartier d'à côté hein, du bâtiment. Alors, c'était pas la maison d'en face, hein, c'était dans une autre ville des États-Unis. À des centaines de kilomètres, hein. Et apparemment, donc, il parvenait à cela. Tu as parlé tout à l'heure de controverse, et c'est vrai qu'il y a eu de la controverse, et surtout, c'est de la controverse rapportée après coup par nos amis sceptiques, qui souvent font de la controverse, mais aussi de la désinformation. Quand on lit la page sur Wikipédia concernant Ted Serios, c'est pas vraiment ce qui s'est produit et ce qui s'est passé, et ce qui est rapporté par
les gens qui ont étudié Ted Serios pendant des années et des années. Donc, jamais Ted Serios n'a été, par exemple, mis devant ce qu'on appellerait un débunkage. Tu sais, c'est le terme utilisé par. Jamais, ça s'est jamais produit. Jamais un James Randi, le patron de la zététique américaine, enfin, la figure de proue, n'aurait débunké Ted Serios. Personne n'a reproduit ce que faisait Ted Serios non plus, avec ou sans artifice. Donc, personne n'a. Non, c'est pas vrai. Donc, c'est que des suppositions qui prétendent que celui-ci aurait été controversé ou que celui-ci aurait triché. Ben, La réalité, c'est pas vrai. pour moi, il y avait sur ces photos-là, il y avait, on les voit d'ailleurs apparaître à l'écran. J'ai cru comprendre en lisant le livre, notamment, on voit la photo avec l'immeuble où il y a marqué Royal Canadian Mountain Police. Et il est expliqué dans le livre que bon, c'était quelqu'un de peu lettré, qu'il avait des gros problèmes d'orthographe, et que sur la photo qu'il reproduit donc mentalement et qu'il arrive à projeter sur la pellicule, il y a une faute d'orthographe qui apparaît sur le terme canadien. Ah oui, carrément, il dit Kainaden. C'est écrit Voilà. Kainaden. C'est-à-dire que lui, il était complètement analphabète, on va dire, ou quasiment analphabète. Donc, non seulement il reproduit donc l'image qui est juste, hein, une image juste d'un bâtiment, sauf qu'il fait une faute d'orthographe dans le nom, quoi. Il rajoute un i là où il n'y en a pas, Voilà. Et voire de la même même plus. manière, il y a un immeuble juste au-dessus, la photo au-dessus, où l'original a des vitres tout à fait normales. Et lui, Ted Serios, a reproduit mentalement sur la pellicule le même immeuble, mais avec les vitres condamnées, alors que celles-ci n'ont jamais été condamnées dans la réalité. Voilà. Eh bien, cette déformation-là qu'on voit, elle est encore plus troublante encore que le fait de projeter. Admettons le paranormal. Il projette donc la cible. Il arrive à deviner c'est quoi la cible. En plus, il projette une photo juste ou une On représentation. est d'un mélange de remote viewing et puis d'une autre capacité parapsy. Voilà, une vision à distance et en même temps il l'imprime. On est dans le paranormal, les portes sont ouvertes, il n'y a pas de problème. Sauf que, en plus, là on a un problème, c'est que il y a une déformation. C'est-à-dire que c'est vraiment sa pensée qui est projetée, encore plus que ce que lui voit, ce que lui serait censé percevoir et voir. On a une déformation qui rappelle, comme le dit l'auteur Sharon Lewitt, la Rolette dans le livre, qui rappelle les déformations qu'on a dans nos rêves. Parce que dans nos rêves, même quand on se représente la réalité, il y a toujours des déformations. Une pièce n'est pas exactement la même. Les personnes ne sont pas exactement les mêmes. Souvent, leur caractère à nos personnes qui sont dans nos rêves ne correspondent pas au caractère des personnes réelles dans la réalité. Mais aussi des objets qui pourraient être déformés. Et ben là, c'est pareil. On a une déformation qui est liée au psychisme de Ted Serios. Alors, qui pourrait être liée au psychisme de Ted Serios, très exact. Toujours est-il que moi je voulais qu'on parle de ce cas-là dans un premier temps pour essayer de comprendre que cette frontière voilà, entre subjectif, objectif, conscient, inconscient, matière. Psyché n'est pas si évidente que ça, puisque là, il y a clairement une création matérielle qui part de la psyché. On revient sur nos archétypes et on va s'intéresser maintenant à ce fameux trickster. Tu nous en as dit quelques mots tout à l'heure. Ce trickster, il a pris différents visages. Toi, il t'est apparu lors de ton expérience en voiture sous les traits du bouffon du roi. J'affiche un petit document avec plusieurs représentations. On va en parler un peu. Alors, premier, le dieu Hermès. On en a parlé la semaine dernière sur Nuria, le dieu qui représente l'alchimie, ce fameux dieu messager qui traverse les mondes. En quoi Hermès est le dépositaire des attributs du trickster? Alors, non seulement il est le dépositaire du trickster, enfin le roi des tricksters, mais il est également peut-être, il décrit bien le paranormal, puisque il a plein de capacités, cet Hermès. Il va du monde des dieux au monde des vivants, et il accompagne également les âmes dans le monde des morts, celui de l'Hadès. À noter que le monde de l'Hadès, qui est donc gardé par Hadès, c'est d'ailleurs le seul dieu qui a son royaume qui porte son nom. Hein, Hadès et le dieu Hadès donc désignent des choses différentes. On ne sait d'ailleurs pas trop où c'est Hadès. Hein. Pour les Grecs, c'était la péninsule de la Péloponnèse. Pour les Romains, c'était ailleurs. C'était bon. Il y avait des discussions pour savoir où est-ce que c'était. On ne savait pas trop. Et à ce moment-là, on a un dieu qui est aussi joueur, qui est messager, hein, qui apporte des messages entre les dieux. Il se mêle d'ailleurs à ce qui se passe entre Hadès et Perséphone.
puisque ça frustre pas mal de dieux, et notamment la mère de Perséphone, ce qui se passe entre Hadès et Perséphone. Hadès veut garder une des filles de Déméter, donc avec lui dans le monde souterrain, et Déméter ne veut pas. Bon, Hermès est là comme conciliateur, comme messager. Il a des choses à dire, il le fait. Il va très vite, tu vois sa représentation, donc avec des ailes au casque et des ailes aux sandales. Il a cette capacité-là de voyager. Il a aussi d'autres attributs qui lui ont été donnés par la suite, et des attributs ambivalents. Par exemple, c'est le patron des voleurs, mais c'est aussi le patron des commerçants. Hein? Donc c'est un peu contradictoire, paradoxal. Il brouille les pistes. Il brouille les pistes. C'est un dieu paradoxal qui brouille les pistes. D'ailleurs, la première gaffe qu'il fait, quand il a à peine quelques semaines ou quelques mois, c'est de voler les vaches d'un de ses frères, Apollon. Et pour bien cacher que c'est pas lui, il efface toutes les traces pour bien montrer que, ben, voilà. Et ça, c'est ce qu'on retrouve dans le domaine du paranormal, avec ce côté élusivité qu'on a évoqué tout à l'heure, ce côté on efface nos traces. Alors ce trickster, on l'a retrouvé sous les traits d'Hermès. Pour la culture nord-européenne, on l'a retrouvé sous les traits du dieu Loki, qui lui aussi présente cet aspect farceur, un peu prestidigitateur. Plus surprenant, j'ai appris qu'on le reconnaissait, on le retrouvait aussi sous les traits du renard et de ce personnage du renard. On le retrouve en fait de manière universelle à travers diverses cultures, sous divers traits, mais toujours avec les mêmes caractéristiques. Dans les traditions amérindiennes, c'est le coyote. Voilà. En Afrique, c'est souvent une araignée qui a ce rôle-là dans les légendes de farceur, de messager, de côté disruptif parce qu'il va apporter une information capitale parfois, ce personnage-là, dans les histoires, qu'il faudrait pas. Donc il va casser des tabous aussi. Il est transgressif, hein, il est transgressif, et il casse un tabou. Alors le trickster. Finalement, on le retrouve aussi tout simplement dans l'incarnation du paranormal lui-même, puisque le paranormal, on va le rappeler si besoin est quelque chose de marginal par rapport à l'ensemble de la société. Il n'y a pas de formation à l'université pour en apprendre un peu plus sur le paranormal, et il n'y a pas de diplôme de parapsychologue à l'université. Pourtant, il y a des parapsychologues extrêmement sérieux qui sont professeurs des universités, ça oui. Mais tu n'as pas de diplôme Il n'y a pas de d'enseignant à département de l'université. parapsychologie. Voilà, c'est quelque chose de très marginal, le paranormal. Et le sujet OVNI également, quoique il commence maintenant, et sous des coups de boutoir monstrueux, puisque des pilotes de la Navy ont parlé récemment, tu le sais, pour dire que ben, y a bien un problème. Alors maintenant, ça devient un peu plus mainstream. Tu as le Pentagone, la Navy, et même la NASA qui commence à enquêter sur ces phénomènes. Donc ça devient mainstream, et ça nous fait un peu mentir sur ce côté marginal, mais c'est resté dans l'ombre extrêmement longtemps, ces phénomènes. Et donc ça rappelle un peu ce côté marginal qu'a le trickster dans les légendes. C'est un personnage marginal, messager, farceur-joueur, qui utilise de moyens paranormaux, qu'on pourrait qualifier de paranormaux maintenant, que tu as qualifié de magique, effectivement, et qui joue ce rôle-là d'apporter des informations. Une autre caractéristique de ce trickster, de ces manifestations du trickster en tant que phénomène paranormaux, ufologique ou autre, puisque telle est l'hypothèse que tu défends ce soir et dont nous discutons, c'est le phénomène de résonance et de mimétisme. C'est-à-dire que, et moi pour moi, ça c'est l'élément qui est le plus convaincant, qui donne le plus de consistance à l'hypothèse que vous présentez, toi et tes co-auteurs. C'est-à-dire que c'est quelque chose que je me suis souvent posé sur le sujet OVNI. Pourquoi les OVNI en 47 avaient telle forme ou semblaient être des technologies un petit peu. Encore une fois, aujourd'hui, on les considère comme absurdes. Je me souviens d'une émission sur Nura TV avec notre ami Ludovic Bonin sur l'étrange vague de 1954 en France, avec des apparitions, que ce soit OVNI ou rencontres rapprochées, toutes plus absurdes les unes que les autres, et en disant c'est quoi ce phénomène, ils se foutent de nous. Et à chaque fois adapté à une époque ou à un lieu donné et à une culture donnée, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les apparitions du trickster. Oui, alors ça, c'est grâce aux ufologues de terrain, hein, qui vont étudier les cas de rencontres rapprochées, qui vont prendre tous les éléments à la fois objectifs,
et les éléments subjectifs qui vont enquêter sur le témoin. Et c'est les circonstances de l'observation. Et là, on va se rendre compte que les phénomènes ovnis dans les rencontres rapprochées, bien souvent, eh bien, nous reflètent. Alors, ils peuvent nous refléter, tu l'as dit, collectivement, en utilisant parfois des formes qui sont typiques de l'époque. On peut avoir des boulons, d'où l'expression maintenant tous les boulons pour expliquer que notre position, que ben, les ovnis parfois pourraient être bel et bien réels et en dur. Et parfois, donc, on aura des ovnis qui vont fonctionner comme s'ils fonctionnaient avec une mécanique qu'on connaîtrait. Voilà, qu'on connaîtrait. Par exemple, avec des pots d'échappement dans les années 50, ou des lumières un Exactement. peu bizarres, typiques des années 50. Et en cela, bon, ben, ils ne font qu'imiter notre technologie du moment, bien qu'ils vont avoir des comportements dans le ciel qui sont, eux, qui défient notre technologie. Mais on a aussi des reflets, pas seulement du contexte global de l'apparition, c'est-à-dire de la sociologie au moment de l'observation, hein, de notre société, par exemple. Non, non, il va y avoir des reflets des états d'âme des témoins, des préoccupations des témoins. On a un fermier, par exemple, qui est rapporté dans le livre et qui voit un objet en plein milieu de sa ferme, au bout duquel, donc, lui, il élève des vaches, hein, donc voilà, et au bout de tout le long de la circonférence de cet objet qui est au-dessus d'eux, il y a des cordes et au bout, il y a des bidons ou des seaux qui seraient prêts à récupérer du lait, par exemple. Là, on est dans un contexte, dans une apparition absurde, oui, mais qui semble refléter ou se moquer du fermier, hein, qui observe, qui fait l'observation. Il n'est pas témoin, il y a sa famille également qui observe cela. Donc, ça, c'est Marc Leduc qui rapporte ce cas-là. Ce sont des Québécois qui ont ramené ces cas-là, et je les en remercie. Mais cet aspect mimétique était déjà évoqué dans les années 70, 80. Il a longtemps été sujet à débat parmi les ufologues, mais de plus en plus, on a des cas qui montrent qu'effectivement, le phénomène semble s'adapter aux témoins. Un cas classique en France, un des plus médiatisés, le cas de Valensole. On Oui. a affaire à un agriculteur, donc en milieu rural, paysan, et il voit comme par hasard des petits hommes arriver dans une toute petite soucoupe, une porte latérale qui pourrait faire penser à des voitures de l'époque, et qui se mettent à venir récolter, cueillir des végétaux sur ces terrains. On voit tout de suite cet effet de mimétisme et cet effet miroir entre l'observateur et le phénomène qu'il est en train d'observer. Voilà, il y a une sorte de, oui, comme tu le disais tout à l'heure, de résonance et une dimension presque d'imitation, hein. C'est un phénomène imitateur de ce que faisait ce témoin, sa profession, son métier. Donc voilà, on est vraiment bien souvent d'ailleurs, on a plein, plein, plein de cas d'observation de personnes qui ont vu. Donc, des petits êtres descendent d'un vaisseau qui se sont mis à cueillir dans le pré, dans le jardin, dans le champ, des choses comme le ferait n'importe qui. Et ça, depuis des dizaines d'années. Alors, soit les extraterrestres sont passionnés par ce qu'ils peuvent cueillir chez nous, mais c'est toujours la même chose quand même, hein, parce qu'on n'a pas. Voilà. Ou alors, ils nous imitent. Et ils nous ont imités pendant longtemps sur ce qu'on faisait avec la nature, tout simplement. Il y avait une réflexion aussi sur l'apparence de ces ovnis et de ces êtres lors de rencontres rapprochées, et cette réflexion de se dire, soit on a affaire à des centaines d'espèces extraterrestres, soit on a affaire à un phénomène métamorphe, c'est-à-dire capable de se métamorphoser, de se transformer à sa guise. Voilà, c'est un phénomène qui semble s'adapter à la fois dans sa manifestation, mais même en termes d'image, hein, puisque l'image rapportée n'est pas tout le temps la même. Hein. On a des petits êtres, oui, on a des petits gris, pas aussi souvent qu'on pourrait le croire d'ailleurs. On a souvent des êtres un peu farfelus. On a même eu des apparitions de lutins, un peu comme dans le folklore, de personnages très très bizarres, très grandiloquents, et qui semblent effectivement s'adapter visuellement à l'époque et aux témoins. Il y a souvent une dimension un peu étrange, absurde aussi au phénomène. Oui, tu l'as dit, métamorphe. Un élément aussi que j'ai trouvé assez significatif, c'est Jean-Jacques Jaillat, donc lui qui est philosophe et ufologue, qui intervient dans le livre. Et donc lui nous explique que le phénomène, il mime les préoccupations des témoins, c'est ce qu'on vient de voir, et il se déploie en miroir de notre propre psyché. Et comme exemple, il met en avant des travaux de Marie-Thérèse Desbrosses, donc qui est une ufologue française, et elle fait remarquer que les récits d'abduction
comment dire, des inséminations d'êtres humains dans des vaisseaux extraterrestres, des fœtus qui sont retirés, et toute cette littérature autour des abductions et des grossesses non désirées. En fait, tous ces témoignages sont apparus à une époque où on légalisait l'avortement, où les questions d'insémination artificielle, etc., étaient mises en avant, et donc c'était devenu un sujet de société. Et donc, en filigrane, on comprend derrière, et à la lueur des travaux que vous présentez dans le livre, que la société étant impactée par ça, l'inconscient collectif et ses archétypes ont très bien pu produire ces manifestations d'enlèvement et tout ce que je viens de raconter sur ces Voilà, inséminations et ces c'est là qu'on retraits de voit, fœtus. c'est là qu'on voit la dimension collective de la chose. Mais tu le vois aussi à travers finalement l'inspiration qui semble être celle du phénomène dans sa manifestation, dans sa forme de notre propre culture en matière d'OVNI. C'est-à-dire que dans les années 50, il s'est développé une culture un peu pulp, tu sais, où on avait des récits de soucoupes volantes qui venaient. Et c'est Bertrand Meilleux qui en parle le mieux, et qui finalement ont retrouvé dans des apparitions réelles, cette fois, à d'autres endroits de la planète, ou à d'autres endroits tout simplement, ou avec des personnes qui n'avaient jamais lu ces fictions-là, ben, qui retrouvaient des objets similaires à ce qui avait été dessiné par de la pure imagination de dessinateurs dans des fictions. C'est-à-dire que le phénomène s'adapte donc à ce que nous, on peut même imaginer de ce phénomène. C'est-à-dire que il se moque. Le phénomène semble se moquer de ce que l'on pense de lui. Alors, petite précision, et on en avait parlé en off avant l'émission, on va le rappeler, parce que là, je viens de parler de cas graves, hein, les cas d'abduction avec des inséminations, des fœtus qui disparaissent, etc., ont des choses pas graves. On n'est pas en train de dire que le phénomène n'existe pas, qu'il n'est pas concret dans la matière. Quelqu'un qui témoigne Jamais. avoir été abducté, on n'est pas en train de dire que c'est une invention de son esprit. On dit juste que la psyché collective a pu créer ce phénomène qui l'a abducté. Oui. Et à condition de bien considérer ce qu'on propose à la fin, c'est-à-dire que ce n'est pas ces phénomènes-là qui seraient oniriques, qui auraient un statut de rêve. Non, non, ils sont matériels, ils sont objectifs, ils sont réels. Ce n'est plus le problème. Le problème, c'est que c'est toute la réalité qui est psyché. Toute la réalité qui serait psyché. J'utilise le conditionnel pour que. Parce que bien sûr, je suis un chercheur, je ne suis pas en train de dire. Je ne suis pas en train de mettre ma main au feu, je suis un chercheur. Mais c'est toute la réalité qui serait un rêve, un élément, un fondement onirique. Ce n'est pas seulement ces petits phénomènes. Non, ces phénomènes peuvent nous apparaître bel et bien réels. Ils ont des conséquences physiques, psychologiques aussi, parfois même traumatiques. Hein, là où tu as évoqué le cas des abductions, ce n'est pas rigolo. Donc, non, non, ça c'est aussi réel que ce qu'on entend au sens habituel du terme. Hein. D'ailleurs, John Mack, qui avait travaillé sur les abductions, avait dit, non, je n'arrive pas à rapprocher ça du phénomène des hallucinations. Ça laisse des traces bel et bien réelles, ce ne sont pas des hallucinations. Donc, non, non, le côté réel est bel et bien, pour moi, avéré. Le problème, ce n'est pas ça, c'est que c'est toute la réalité dont il faut discuter. Qu'est-ce que c'est que cette réalité dans laquelle des phénomènes qui nous paraissent nous refléter, qui seraient oniriques, quelque part, mais en même temps qui laisse des traces objectives, matérielles. Et c'est là le problème. D'où le titre du livre, Notre réalité est-elle un rêve? Voilà, c'est la réalité totale qui pourrait être une sorte de grand rêve partagé où il se produirait ces phénomènes-là. Mais quand on rêve la nuit, je l'ai dit tout à l'heure dans mon texte, enfin hier soir dans mon petit texte sur Facebook, c'est que quand on rêve la nuit, on est d'accord, tout ce qui s'y passe est notre propre produit. On est surpris par ce qui se passe dans notre rêve, mais c'est paradoxal parce que qui a fait ce rêve? Nous. Nous en sommes le seul auteur. Et pourtant, on est surpris par ça. Dans les phénomènes dits paranormaux et ovnis, on est surpris, mais il se pourrait bien qu'on en soit également en partie co-créateur ou co-auteur. À condition de considérer que, en fait, ce sont des surgissements dans la réalité parce que, comme dans nos rêves, les scènes surgissent de la même manière. Ça retourne le cerveau. Moi, je vous avais prévenu, les Nuréens, ce soir, il faut faire preuve d'ouverture d'esprit, mais chacun jugera de la crédibilité de cette hypothèse qui, moi, je ne peux pas m'en cacher, me séduit particulièrement. Petit commentaire de fidèle au poste qui nous dit « Frontières illusoires, réalité matérielle et conscience, extérieure, intérieure. » Ouais, toutes ces frontières-là, ce soir, en tout cas, le thème, c'est de les abolir.
Voilà, l'archétype du trickster, lui, il abolit toutes les frontières. Hein. C'est un personnage, on l'a dit, qui voyage du monde des dieux au monde de l'enfer. D'ailleurs, le monde de l'enfer, on pourrait presque considérer que c'était un petit peu une métaphore de l'inconscient, de ce qu'on appelle l'inconscient maintenant. Hein. C'était un endroit plutôt sombre, on ne sait pas trop où c'est, et plutôt dangereux, qu'on craint. C'est un endroit qu'on craint. Et pour plein de raisons, beaucoup de psychologues jungiens considèrent que l'enfer était l'enfer des Grecs, hein. L'enfer des Grecs, pas l'enfer des catholiques, hein. L'enfer des Grecs était peut-être une métaphore de ce qu'on appelle nous maintenant l'inconscient. Donc c'est l'archétype du trickster et le paranormal abolissent toutes les frontières. Toutes les frontières. Tout à l'heure, tu parlais de Hadès, et alors, sauf erreur de ma part, Hadès, la traduction, c'est invisible. Voilà, le monde de l'invisible ou le monde de l'Hadès, c'est la même chose. Je te remercie de me faire cette remarque, Guillaume. Effectivement, ça définit la même chose. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on parle de l'invisible pour parler de ce monde paranormal qui interagirait avec nous. On pourrait en parler comme étant le monde de l'âme collective, de l'âme du monde. Hein. J'évoque ce terme dans le livre. On définit à chaque fois la même chose. On définit donc une partie inconsciente de la réalité qui interagit avec nous, à travers ces moments qu'on qualifie de paranormaux ou d'ovnis, d'apparitions d'ovnis. Alors, Alors, pourquoi Je t'en ça prie. prend cette forme-là, de paranormal et d'ovni? Ça, c'est quelque chose auquel on ne répond pas encore. Pourquoi, si l'inconscient collectif, hein, qui surgit dans ce rêve total qu'on appelle la réalité, eh bien, pourquoi ça prend ces formes dites paranormales et ufologiques? OVNI, je ne sais pas. À chaque fois, ça se manifeste quand même comme étant quelque chose d'alien, d'autre, tu vois? D'extérieur. D'étranger, d'extérieur. Voilà. D'ailleurs, on a trouvé des métaphores hein, avec le temps. On a dit, bon, ben, ça vient de l'au-delà. Bon, ben, si c'est les extraterrestres, ça vient de Mars. Et après, on a vu que Mars et Vénus, ils n'étaient pas tellement habités. Donc, on est en train de dire, non, ça vient d'une galaxie encore plus lointaine. Ça vient de la galaxie d'Orion, peut-être. De la constellation d'Orion, pardon. Voilà, on a toujours tendance à mettre ailleurs ce qui est peut-être devant nos yeux. En vérité, on a cherché des explications dans l'au-delà. Je ne dis pas qu'il n'existe pas l'au-delà, et j'espère bien que ça existe. Au contraire, j'ai des textes dans le livre Phénomène qui montrent qu'il y a bien quelque chose qui se passe entre deux vies, bien souvent. Oui, puisqu'il y a un chapitre réservé aux vies antérieures et aux souvenirs qu'ont des enfants de leur vie antérieure et de l'entre-deux-vies. Voilà, de ce qui s'est passé entre deux vies, et ça, c'est très intéressant. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a souvent trouvé des excuses ou des métaphores pour mettre la faute à l'au-delà ou à des extraterrestres qui viendraient de constellations très éloignées ou de d'autres dimensions ou de d'autres. Que sais-je encore? Quand la science va évoluer, qu'elle va nous parler d'un univers jumeau, on dira qu'ils viendront de là. Voilà, à chaque fois, on va trouver. Mais en vérité, peut-être que le problème, il est déjà ici et maintenant, dans cette réalité-là. Je sens les cerveaux qui fument et j'espère que vous serez nombreux à retourner sur vos classiques grecs. Je pense qu'il y a des textes, pareil, il va falloir s'y pencher, mais ça demande une sacrée énergie. On va passer maintenant sur un témoignage dans le livre qui est celui d'une expérience de mort imminente d'un scientifique qui s'appelait John Lilly. Je vais faire une petite lecture rapide et puis on va en discuter parce que pour moi, c'est le témoignage qui m'a permis d'aller, à mon sens, au bout de ma compréhension du trickster, et de voir que le trickster n'est pas là seulement pour nous leurrer, nous tendre des pièges et nous faire passer des observations absurdes, mais qu'il a une fonction aussi bien plus importante. Donc, EMI du scientifique John Lilly, ce scientifique, il raconte que durant son expérience de mort imminente, il a rencontré deux entités qu'il appelle les points de conscience. Alors déjà, c'est donc deux entités, deux points de conscience. Et il nous dit cela. Tandis qu'il se rapproche de moi, je trouve de moins en moins de moi et de plus en plus d'eux dans mon être. Ils s'arrêtent à une distance critique et me disent que je ne suis pas assez développé pour supporter leur présence. S'ils se rapprochaient davantage, ils me submergeraient et je me perdrais comme entité cognitive en me mélangeant avec eux. Moi, quand j'ai lu ce texte, et puis l'explication qui va avec, hein, parce que j'ai pas tout, ça sort pas de mon mental à moi. J'ai cru comprendre vraiment le fin du trickster. C'est-à-dire que, en fait, John Liddy, lui, nous explique qu'il arrive aux limites du moi et que cette partie invisible, ce fameux Hadès, il ne faut pas non plus qu'on plonge dedans et que le trickster, il est là pour nous tendre un miroir et nous empêcher d'aller plus loin. Oui, c'est ce qui se passerait au moment des expériences de mort imminente. À chaque fois, il y a une frontière.
On nous explique qu'il ne faut pas passer cette frontière-là. Hein. Et là, dans ce cas-là, effectivement, on a peut-être une raison qui est évoquée pour laquelle il ne faudrait peut-être pas aller de l'autre côté, c'est qu'on perdrait notre propre identité, notre propre moi. Alors, ça semble. Alors, encore une fois, c'est un témoignage, hein, ce n'est pas la totalité, mais ça fait résonance avec tout un courant philosophique qui s'appelle l'Advaita Vedanta. C'est un courant donc indien de l'Inde et qui clairement dit qu'il y a une seule âme dans le monde en vérité et que nous ne sommes que des masques momentanés de cette âme collective, de cette âme qui vit quoi, qui vit tout simplement. Et nous serions chacun le moi ne serait qu'un masque temporaire, hein, cette petite biographie personnelle, ce corps auquel on s'identifie faussement, eh bien qui nous a constitué, qui a constitué notre biographie, nous a fait croire, parce qu'on a bien voulu y croire, qu'on était des gens séparés, des individus séparés, eh bien, ce serait totalement faux. C'est ce qui nous est évoqué, surtout, je pense, dans ce témoignage-là, et cette possibilité, peut-être, que dans la situation de mort, il n'y a pas de distinction entre le moi et le tout. Alors, ça ne veut pas dire que le moi est détruit au moment de la mort, hein, que l'ego est détruit. Ça ne veut pas forcément dire ça, puisqu'on a des témoignages également, on l'a dit tout à l'heure, hein, de ce qui se passe entre deux vies et d'identité qui perdure dans cet entre-deux-vies, qui peut durer, selon les enfants qui témoignent, de quelques mois à plusieurs années, terrestres en tout cas, mais on peut avoir cette identité qui pourrait perdurer, et parfois même on pourrait se souvenir de cette identité lors de notre nouvelle incarnation, entre guillemets, puisqu'on a des enfants qui se souviennent donc avoir été telle ou telle personne, et ça a été un phénomène qui a été étudié par des gens extrêmement sérieux. Je pense à Ian Stevenson, je pense à Jim Tucker, c'est des gens extrêmement sérieux, extrêmement scientifiques, rigoureux dans leurs analyses, et qui ont montré qu'effectivement, peut-être, il peut y avoir une durée au-delà de la mort de notre personnalité. Ceci étant dit, il semblerait quand même que ces souvenirs-là s'estompent, et que, comme toute chose au moment dans notre vie quotidienne, déjà, nous oublions. Nous oublions qui nous sommes. Nous, on a oublié qui nous étions quand on avait 20 ans déjà, ou 15 ans, et encore à plus forte raison, nous oublions nos vies passées, et même si peut-être que ce qui a animé la personne dans une vie passée continue à animer la nouvelle personne que nous sommes dans cette vie-là. Mais tu vois, juste encore une fois, cette action du trickster, pour moi, rejoint cet effaçage du disque dur. Et c'est comme ça que j'ai compris ce témoignage d'expérience de mort imminente. C'est-à-dire que ce trickster, il est là pour nous glisser entre les doigts, rendre la chose tellement élusive, tellement ridicule qu'on ne peut pas vraiment l'appréhender. Chose qu'on fait avec le paranormal et le phénomène OVNI depuis déjà des décennies, pour nous protéger d'une vérité qu'on n'est pas censé connaître. En tant C'est ça. que moi. Mais écoute, Carl Jung résumait ça comme ça. Les archétypes, on ne peut pas les voir en face, ça nous détruirait, ça nous brûlerait, ça nous détruirait. Voilà. De connaître la réalité de la réalité, c'est-à-dire de quoi nous sommes le produit, quelle est notre place dans cette réalité, bien, ça nous détruirait. Regarder les dieux en face, ça nous détruirait. Voilà. Parce qu'en véritable, finalement, depuis le départ, on parle d'archétypes, mais on pourrait aussi parler de Dieu, on ne se tromperait pas. Les véritables dieux, peut-être que ce sont les archétypes qui génèrent ces phénomènes-là et qui ont généré la réalité et qui nous génèrent nous. En cela, on peut vraiment parler de, là aussi, finalement, on est toujours dans le domaine spirituel, au sens large, hein, si on enlève les connotations religieuses, on est toujours quand même dans un domaine là, spirituel. Ce qui me donne l'occasion de partager cette citation d'un ufologue américain qui est présenté dans le livre, qui s'appelle John Keel. Oui. Keel, Keel. Quel Vous qu'il. connaissez tous mon accent anglais. Je vous la partage, je vous fais une petite lecture et puis comme ça tu pourras nous donner un petit commentaire, Laurent. Donc John Keel qui nous dit: Les dieux des anciens mondes ont tenu leurs promesses, ils sont de retour, mais ils ne parviennent pas à nous à travers l'immensité des espaces interplanétaires. Ils proviennent en quelque sorte de l'intérieur de nous-mêmes. Ils ont toujours été dénués de visage parce que leurs visages sont les nôtres reflétés. Ça résume tellement ce qu'on a dit en termes de mimétisme, d'imitation de nous, d'adaptation des phénomènes à nous, que c'en est perturbant cette phrase. C'est vraiment perturbant à quel point il met dans le mille. Il met dans le mille. C'est assez bluffant.
En plus, c'est John Keel, ça c'est quelque chose qui date des années 80, 90 peut-être. Non, plutôt avant même, années 60, 70, D'accord, voilà, il a donc vécu on des a. choses, il a enquêté sur des événements qui sont produits à Point Pleasant aux États-Unis. Sur le mo il a enquêté sur le Mothman. Il a écrit un livre à ce sujet-là, oui. Papillon, voilà, des phénomènes très étranges, très absurdes. Lui-même, en enquêtant sur ces phénomènes très étranges et absurdes dans une petite ville, eh bien, il a été victime de phénomènes avec son téléphone. Il en parlait déjà dans les années 60, bien avant que le phénomène des coups de téléphone soit bizarre. Tel que je l'ai étudié moi, soit étudié par, dans les années 70, c'était en 79, donc c'était avant, lui il en parlait déjà, de ce qui se passait comme, comme aberration avec les téléphones et avec les témoins qu'il enquêtait. C'était vraiment, c'est un récit vraiment sensationnel qu'il avait fait. Ceci étant dit, John Keel était vraiment un précurseur et un marginal à lui tout seul. C'était lui-même un trickster, puisqu'il apportait des explications où il mélangeait ovni et paranormal, lui. Pour lui, c'était la même chose. Il craignait beaucoup ces phénomènes. Il craignait beaucoup ces phénomènes parce que il pensait même qu'ils étaient dangereux pour notre équilibre sociétal à nous tous. Et lui, il n'avait pas peur. À un moment donné, ça lui dérangeait pas que les sceptiques essayent de décrédibiliser l'ensemble de ces phénomènes-là, parce qu'il disait que ces phénomènes peuvent effectivement être dangereux pour l'équilibre de nos sociétés humaines. Non, non, je regardais un commentaire de Jean-Paul qui nous disait, à la fin de l'émission, il faudra choisir entre la pilule bleue et la pilule rouge. Chacun fera son choix. Écoute, moi j'insiste sur le fait que de ramener tout le monde un petit peu à se questionner sur la nature de notre réalité, en vérité. Je te l'ai dit tout à l'heure, nos téléphones, dans les phénomènes des coups de téléphone, ne se comportent pas comme ils devraient se comporter, sans parler des défunts ou des éventuels défunts qui pourraient les utiliser, ils ne se comportent pas comme ils devraient se comporter selon une technologie, selon nos connaissances en technologie. On a les téléphones qui sont utilisés de manière symbolique. On pourrait parler de simulacre de communication avec les défunts. Un téléphone éteint qui n'a pas de batterie, qui fonctionne. On peut rencontrer ça dans le phénomène des coups de téléphone post-mortem. Une fois, j'ai recueilli un témoin d'une personne dont le carillon, qui était situé sur un buffet chez lui, était vide de son engrenage, donc il n'y avait pas d'engrenage dedans, et qui parfois, en de très rares occasions, sonnait. On a des objets qui vont se comporter de manière symbolique, métaphorique. À partir de là, on ne devrait plus s'étonner de voir des objets dans le ciel, des ovnis, défier nos capacités à se déplacer, parce que les pilotes de F-16, de F-18 qui les ont observés récemment disaient, aux États-Unis, disaient, mais si c'était nos objets, ils se disloqueraient et nous, on serait morts à l'intérieur, tellement les vitesses sont prodigieuses, les retournements de trajectoire sont prodigieuses. Eh bien, en fait, on aurait pu s'en étonner, puisque c'est peut-être des objets qui volent, là aussi, symboliquement, métaphoriquement. C'est une proposition que je fais. Puisque dans le phénomène des coups de téléphone, c'est de toute évidence le cas. On a des objets qui fonctionnent symboliquement parce qu'ils doivent fonctionner du point de vue du sens. On essaye de dire à quelqu'un qu'un mort l'appelle. Bon, alors le téléphone va fonctionner dans le sens là, métaphorique. Mais technologiquement, il ne peut pas fonctionner. Il y a cette capture d'écran que tu m'as envoyée, Laurent. Je vais la diffuser sur cet appel Gabinou mon cœur. Là aussi, je vous laisse regarder Lénurien. Donc on a un appel qui est daté d'après-demain. Voilà. Alors, on a un appel qui est. C'est pire que ça, puisque la Est-ce personne que reçoit. oui, est-ce que tu peux nous redonner le contexte déjà autour Ouais. de C'est un ce. phénomène qui vient du futur. C'est un appel qui vient du futur. Je le dis en teaser de mon récit. C'est un appel qui vient du futur, donc pour une personne. Pourquoi elle lui vient du futur? Eh bien, parce qu'on est le 10 septembre. Et que sur son téléphone apparaît que ben, l'appel vient du 16 septembre. Il viendrait donc de son fils. Sauf que son fils, qui est à des milliers de kilomètres de là, il est au Canada, je crois, ce jeune, et ben, il n'a pas de trace de cet appel, lui, sur son téléphone. Par contre, la mère, elle a reçu donc un appel de son fils qui vient du 16 septembre, sauf qu'on est le 10. Et caractéristique étrange de ce téléphone, eh bien, au fur et à mesure qu'on va se rapprocher de la date du 16, eh bien, il va afficher. Après-demain, demain, selon les captures d'écran qu'elle m'a envoyées, donc qui prouvent cette observation, son observation, effectivement, l'appel est bienvenu du 16 alors qu'on était le 10. Et d'ailleurs, il y a une petite coquille dans mon récit. À un moment donné, elle parle de 4 jours après, mais c'est parce qu'en fait,
Elle parlait de sa capture d'écran qui, elle, était faite le 12 septembre. Et donc, c'est pour ça qu'elle dit, oh, ça a été fait 4 jours après. Après, elle me rappelle le contexte global et elle me dit qu'en fait, juste avant, elle avait été voir un médium, elle avait discuté de son grand-père, ou de son père, pardon, de son père. Et son père, elle lui avait demandé au médium, elle avait une obsession à ce moment-là, quel âge il avait, mon père? Quel âge il avait? Et le médium lui dit 68 ans. Elle rentre chez elle, effectivement, elle vérifie, oui, en prenant des renseignements auprès de sa mère, etc. Oui, effectivement, ça correspond 68 ans. Et donc, cet appel qu'elle a reçu le 10 septembre a une durée. En tous les cas, c'est comme ça qu'elle voit ça s'afficher sur son téléphone. Il a une durée. Alors, la durée en termes d'heures, c'est, tu l'as sous les yeux peut-être? En termes Oui, d'heures, je ne c'est sais plus, tu as. 596 523 heures Voilà. Et et rapporté 14 en années, minutes. et 14 minutes. Et bien, rapporté en années, ça fait combien? Ça fait 68 ans. Jolie coïncidence quand même, puisque c'était son obsession du moment de savoir à quel âge son père était décédé. Eh bien, la durée de l'appel, en milliers d'heures, rapportée en années, ça fait 68 ans. Et c'est venu du futur, c'est-à-dire du 16 septembre. Si là encore le phénomène ne fait pas directement référence aux préoccupations du témoin, c'est Et assez bluffant. on a même dans le livre d'autres cas où on voit que les appels peuvent venir du futur. On a une personne qui, par exemple, à un moment donné, sans le savoir, puisqu'elle en parle, elle a juste le temps d'en parler de cet appel étrange, mais elle entend quelqu'un qui souffre beaucoup au téléphone et qui a du mal à respirer. Donc ça la fait flipper. Et bien, une semaine après, elle meurt d'une crise cardiaque, cette personne-là. C'était donc peut-être elle qui s'est entendue au téléphone en train de mourir. On a Là, des appels qui on rejoint, les rêves prémonitoires, mais c'est une réalité prémonitoire. Mais si notre réalité est un rêve, c'est la même chose. Ouais. Et pour revenir à Carl Jung, l'inconscient est quelque chose qui ne connaît pas le temps. Et ces phénomènes-là, le phénomène des coups de téléphone que moi j'étudie, semblent être surtout liés par le sens. C'est pour ça qu'ils arrivent à un moment donné à une personne donnée, bien vivante. Mais en même temps, ils semblent s'échapper du temps et ne pas venir forcément de notre chronologie à nous, de notre espace-temps à nous. On dirait qu'ils viennent d'un autre espace-temps, où à ce moment-là, on n'a pas du tout les mêmes suites chronologiques que chez nous. C'est perturbant de le penser. C'est de toute façon, dès qu'on touche à la notion de temps, je crois que nos cerveaux, dans cette incarnation-là, ont un peu du mal à l'appréhender vraiment avec tous ses tenants et aboutissants. Absolument. C'est quelque chose d'extrêmement perturbant de se dire que des phénomènes viennent d'en dehors de notre espace-temps. Un dernier point que je voulais soulever avec toi, parce que ce soir, on ne va pas pouvoir faire tout le livre, parce que j'espère que vous serez nombreux, les amis, à aller lire cet excellent ouvrage, Phénomène. Je voulais quand même parler des travaux de Romuald Le Terrier et faire une petite digression via ce qu'on appelle la cryptozoologie. On a vu tout à l'heure John Keel et ses travaux sur le Mothman. Et on se rend compte, au vu, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, la crypto, qui, en tout cas, j'adore les récits d'observation, de Bigfoot, du Loch Ness, etc. Et Romuald Le Terrier, donc, qui est co-auteur de l'ouvrage, lui, il est ethnologue, il a beaucoup travaillé auprès de populations amazoniennes, et il nous parle d'une part du rapport des chamans avec ces fameux archétypes et ce monde de la psyché, et il évoque notamment un cryptide dont j'avais jamais entendu parler, le Sacha-Mama, un serpent. Sacha-Mama, alors pas confondre avec la Pachamama, la Sacha-Mama, on a affaire à un serpent de plus de 50 mètres, de plus de 2 mètres de diamètre. Autant dire que si vous avez. Je ne sais pas si vous êtes de ma génération, les amis, et que vous avez vu le film Anaconda avec Jennifer Lopez, eh ben en fait, ce serpent existerait du côté de l'Amazonie. Il y a de nombreux témoins. Il y a même dans le livre, on parle d'un village de 600 personnes qui a été témoin de cette manifestation dite paranormale, parce qu'on est face à un animal qui n'est théoriquement pas censé exister. La première question, c'est est-ce qu'on peut élargir? On a vu les EMI, on a vu la vision à distance, les rêves prémonitoires, on a vu le paranormal, les ovnis, je l'ai peut-être déjà dit. Est-ce qu'on peut l'élargir aussi à des phénomènes comme une partie de ces cryptides qui, eux aussi, ont des manifestations qui parfois peuvent relever de l'absurde, de l'élusivité. Je pense au Bigfoot, on n'a jamais retrouvé un cadavre. Est-ce que pour toi, la cryptozoologie peut être un domaine d'investigation avec comme outil cette nouvelle hypothèse que tu nous présentes?
Ben, c'est une proposition qu'on fait. C'est une proposition qu'on fait qui mérite d'être investiguée, discutée, critiquée, bien entendu. On est des chercheurs, donc on est ouvert à la discussion, à la critique. Et puis si ce n'est pas le cas un jour, eh bien, on le dira. Ce n'est pas le problème. Mais c'est une proposition de dire que finalement, certains mythes très anciens pourraient survenir, devenir objectifs l'espace d'un moment. Et redisparaître de ce qu'on appelle la réalité quotidienne. Tu as évoqué le cas des Bigfoot, on pourrait évoquer donc le cas de la Tasha Mara, qui est un cas extrêmement impressionnant avec de nombreux témoins. Ça avait fait l'objet d'un article, je crois, dans Paris Match, même, qui s'interrogeait sur qu'est-ce qui s'était passé dans ce village-là pour avoir observé un truc qui est absurde, impossible, et qui, heureusement, n'a pas fait noir, apparemment. Donc, voilà, on peut s'interroger pour savoir comment, à un moment donné, un vieux mythe, puisque c'était un mythe aussi, la Tachamama, peut survenir dans le réel. Voilà. Et ça revient à poser la question de savoir pourquoi, comment un vieux mythe comme celui des visiteurs d'un autre monde peut survenir encore dans notre réalité. C'est le même questionnement. Et finalement, ça renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est une partie de l'inconscient qui ne connaît pas le temps et qui fait ressurgir toujours une problématique. Peut-être ancienne, un mythe très ancien qui revient dans le réel, pardon. Je me rappelle un autre cryptide, cette fois-ci on est au Congo, en Afrique, aux alentours du fleuve Kombo. Il y a notre ami Michel Ballot qui est cryptozoologue, qui investigue depuis déjà de nombreuses années sur un mystérieux cryptide qui s'appelle le Mokele Mbembe, une sorte de dinosaure qui aurait survécu dans les marécages autour du fleuve Kombo. Et avec les années, il est rentré au contact des sages, des anciens, des villages, qui lui ont dit que ce cryptide ne se laissait voir que s'il avait envie de se laisser voir, et qu'on était face à un esprit plus que face à un animal classique, une antilope ou un crocodile. Et je pense qu'on est exactement là-dedans avec le Mokele Mbembe, par exemple. Je ne sais pas si Michel Ballot nous écoutera cette émission. Je sais qu'il va revenir sur Nuria dans les semaines ou mois à venir. Mais en tout cas, ça m'a fait penser tout de suite à ça. Le monde des esprits, est-ce qu'il a envie que tu le vois ou pas? Romuald de Terrier m'en avait parlé de ce cas-là et il serait le plus apte à en parler avec toi. Et si tu veux bien, je vais vous mettre en relation pour qu'un jour il vienne parler de tout ça. Et il le fera beaucoup mieux que moi, parce que c'est lui le spécialiste de ça. Il connaît très bien ce cas de dinosaure que tu évoques. La Sacha Mama, il en parle également très très bien. Il en parle très bien dans le livre. Et je pense qu'il vaudrait mieux peut-être que tu fasses une émission entière sur Ben, ça. je crois que l'invitation elle est lancée, parce que j'imagine que Romuald Le Terrier jettera un œil à cette émission. Et ben, l'invitation est lancée pour venir parler cryptozoologie et hypothèses autour de ces mystérieux phénomènes, mais qui pour moi semblent rentrer dans le cadre, Oui, dans le de cadre des l'élusivité, manifestations. de la manifestation d'un mythe et de son élusivité, c'est-à-dire de je me montre et je disparais. Et je laisse un petit peu de traces, suffisamment quand même pour questionner tout le monde, mais pas trop pour m'objectiver totalement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on est vraiment dans le côté paradoxal de Trickster, je me montre, mais pas trop quand même. Mais pas trop. Nous voilà arrivés à la fin de cette émission. Si tu veux bien, Laurent, on va prendre une question ou deux des auditeurs. Comme on a Avec une plaisir. petite minute de décalage entre la diffusion du direct et ce que vous voyez, les amis, ben, ma phrase va vous arriver avec une minute de retard. Donc n'hésitez pas, posez vos questions sur le chat, j'en sélectionnerai une ou deux. Dernier point que je voulais voir avec toi. Alors là aussi, on est sur le territoire intellectuel de Romuald Le Terrier, mais on ne peut pas ne pas en parler. Les chamans, dans le livre, le rapport des chamans à ce monde, à ces archétypes, et leur rapport à la métaphore et au symbolisme, est-ce que tu peux nous en toucher quelques mots? Bah, eux-mêmes, les chamans ont très bien compris comment interagir avec l'invisible. C'est que eux-mêmes parfois prononcent des paroles dans leur danse ou même dans leur moment de communication qui seraient incompréhensibles par nous et même incompréhensibles par les membres de leur propre tribu, les membres de leur propre famille parfois. Ils ont très bien compris que ils utilisent eux-mêmes souvent des métaphores pour parler. Avec les esprits, hein, qu'ils nomment les esprits de la nature. Et donc, ils emploient des techniques
presque périphériques, presque joueuses. Ils imitent finalement, ils envisagent les esprits de manière presque comme ils leur apparaissent, c'est-à-dire de manière joueuse. Ils jouent les chamans, ils jouent pour communiquer avec cet autre monde. Là encore, c'est Romuald qui pourra t'en parler encore mieux. Mais merci pour ce début de réponse. Et il y a encore énormément de choses à creuser sur le bouquin. Je suis assez content. Je pense qu'on a réussi quand même à partager pas mal d'éléments qui font l'essence du livre. On va voir si quelques questions arrivent. Il y a Thierry. Hop. Le chat va tellement vite. Vous écrivez vite, les Nuréens. Pourtant, j'ai mis un mode ralenti. Thierry qui nous dit: je vous remercie, Laurent, Nora et Guillaume, pour cette belle émission. Ben, Thierry, merci, merci infiniment à toi. Cédrine qui nous dit: quelques mois que je vous suis sur Nuréa. Mon premier live, merci pour tout ce que vous partagez. Cela devient ma chaîne quotidienne. Bah écoute, ravi de rentrer par la petite boîte à images chez toi, Cédrine. Merci beaucoup pour ton com. Noël qui nous demande: et les sirènes et les loups-garous? Là aussi, on peut imaginer que toutes les manifestations. Alors, le piège, c'est peut-être que cette théorie devienne un fourre-tout. Oui, voilà, il ne faut pas tomber dans la théorie bulldozer, ce n'est pas le but, hein. Moi, je veux bien qu'on envisage tout, mais il faut avoir une argumentation, des sources. Tu vois, c'est ce qu'on fait nous dans ce livre-là, hein. Tu as vu, chaque texte est sourcé avec 20, 25 citations qui renvoient à des études très sérieuses, voire même des études qui ont été publiées dans des revues à comité de lecture. Le phénomène des coups de téléphone est investigué par un universitaire également en Angleterre qui publie dans des revues à comité de lecture. Je le dis parce que je sais que j'ai des sceptiques qui me regardent. Tout ce qu'on dit est quand même extrêmement étudié, extrêmement sourcé. Et moi, je suis pour faire rentrer des nouveaux types de phénomènes dans ce cadre explicatif, que la réalité est un tout psyché, quoi, hein, et que finalement ces phénomènes nous reflètent, surtout où ce sont des mythes qui surviennent dans notre réalité. Oui, je suis pour, mais il faut vraiment le discuter, vraiment le sourcer, le démontrer. D'accord. Merci, merci beaucoup pour ta réponse. J'étais sur les commentaires en même temps. J'en prends quelques-uns. Mireille, très belle émission, très intéressante. Ravie d'être parmi vous. Merci beaucoup, Mireille. Farah qui nous demande: ma question toute simple, où peut-on trouver le livre que vous mentionnez? J'ai mis un lien sous la vidéo, alors vers un géant de la distribution, mais je ne sais pas, à mon avis, comme tous les bons livres, vous les retrouverez à la FNAC, vous les retrouverez chez les grands libraires, mais comme je vous ai déjà dit aussi, vous pouvez le commander directement chez votre libraire. On va mettre les libraires en avant, bien sûr. Et puis, il y a les fameux sites de vente en ligne sur lesquels on peut pester, contre lesquels on peut pester, mais qui sont souvent efficaces pour les gens ordinaires. Moi, je recommande souvent nos amis libraires. J'ai une librairie qui a fermé pas loin de chez moi il y a quelques mois. Ça nous enlève de la vie sociale à proximité. Et, voilà, essayez de passer par vos libraires. Ça soutiendra beaucoup de monde et beaucoup de vie dans nos petites rues. Important. Moi, j'ai toujours dit, hein, les libraires, vous avez juste à aller les voir avec la référence du livre et il n'y a pas de raison qu'ils ne puissent pas le commander. Donc, si vous êtes prêt à Voilà. attendre, allez, 2, 3 jours de plus avant de le lire, ça vaut le coup. Belle petite aparté, merci, merci Laurent. Angélique qui nous dit: plus on en sait et moins on comprend quelque chose. Est-ce que tu as déjà eu cette impression-là, Laurent, en avançant dans tes travaux, tu sais, à un moment d'avoir l'impression vraiment de comprendre, d'avoir une vision d'ensemble? Et puis à un moment de te perdre dedans. Là en ce moment, non. Là en ce moment, non. Je dis que ben, ces phénomènes sont des éléments qui surviennent, des moments presque oniriques, sauf qu'ils laissent des traces objectives et matérielles, et que donc c'est toute notre réalité qui est psychique, qui est psychique, et que donc toute notre réalité peut être un immense rêve partagé. Donc cette hypothèse-là m'est solidement ancrée en moi en ce moment, et j'insiste là-dessus. Après, oui. Tout chercheur passe par ces moments où, à un moment donné, il va avoir tout compris et quelques mois après, avoir le sentiment de ne plus rien comprendre. Et ça, c'est propre à la recherche et dans tous les domaines, c'est valable dans tous les domaines. Bon, donc pas d'inquiétude pour notre Nuréenne qui a l'impression d'en savoir moins plus elle en sait. Lorraine qui nous dit: merci infiniment pour ce live haut en couleur et en vibration. Merci beaucoup Lorraine.
Miga, très intéressant, intervenant agréable à entendre en plus. Il y aurait mille questions à poser. Il a été question de beaucoup de choses. En tout cas, grand merci. Effectivement, il va falloir l'émission en elle-même déjà, il va falloir la digérer pour nos auditeurs. Et le livre, moi, je vous rassure, ça m'a fait la même chose. C'est-à-dire que je l'ai lu, j'ai pris 2, 3 jours pour vraiment me mettre dedans. Et puis après, c'est que 24 heures après, je m'y suis remis avec mes notes et tout. Pour essayer de commencer à y voir clair, je dis pas que je le maîtrise encore absolument, mais ça demande un certain effort. Donc n'hésitez pas la vidéo à vous la repasser et avant de vous plonger dans le livre éventuellement, mais ça vaut vraiment le coup. Il y a des dizaines et des dizaines de cas, de témoignages qu'on aurait pu évoquer, mais on a fait un livre de 360 pages, je crois que c'est le but. Ils y sont, quoi, les témoignages et les cas. Donc on a surtout été théorique aujourd'hui, enfin, on a évoqué des cas quand même, hein. On a aussi apporté des éléments théoriques qui sont rarement apportés et rarement apportés au grand public. Et je te remercie, Guillaume, pour cela, parce que tu as le courage, toi, d'évoquer des concepts et des éléments intellectuels, je dirais, compliqués ou complexes, qui peuvent paraître complexes C'est de pas prime abord. simple. C'est pas simple. Et toi, tu as ce courage-là, et je t'en remercie. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas comment tu fais pour absorber comme ça la pensée d'un auteur, et tu le fais, je crois, toutes les semaines, toute Je l'année. suis une sorte de... Regarde, tu l'as vu celui-là? Je suis une sorte de trickster. Je suis Ouais, incroyable. métamorphe. D'accord, oui, je vois ça. J'ai pas l'impression d'être Hermès. Là, tu es un messager quand même. Tu es un messager, tu es un Ouais. médiateur en tout cas. Tu es un médiateur, donc tu as peut-être ce rôle-là actuel que tu as hérité du trickster. Ce n'est pas impossible, me voilà démasqué, il va falloir que je change de masque. Quoi qu'il en soit, Laurent, ben, nous voici arrivés à la fin de cette émission. C'était vraiment un grand plaisir de t'accueillir sur Nuria. J'espère qu'il y en aura une prochaine. Et merci pour toutes les informations et pour ce travail. Je t'avais déjà remercié personnellement par téléphone après la lecture. Mais voilà, sur ce genre de bouquin, moi je dis un grand merci à toute l'équipe qui a pondu ça. Merci de faire avancer ben, nos réflexions, nos esprits autour de ces sujets. Encore une fois, j'adore les livres. Il y a plein d'auteurs en ufologie que j'adore qui ne sont pas forcément en lien avec cette théorie-là. Mais quand ça fait avancer, quand ça, vraiment on a l'impression de comprendre des choses et de se dire, tiens, là, mon intuition me dit qu'il y a vraiment une voie qui est importante à suivre. Tu n'es pas tout seul d'ailleurs. L'ufologie française a des représentants qui sauront avancer. Je crois qu'on a cité Eric Zurcher tout à l'heure, Philippe Solal, Fabrice Bonvin, etc. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont prêts à prendre ces outils-là que vous présentez dans le On livre peut pour... citer des anciens, ça fera plaisir aux ufologues qui Bien nous suivent, sûr. Jean Sidert, Jean Sidert, voilà. Jacques Vallée, on l'a cité. Les anciens qui ont été sur cette piste-là aussi, hein, Jacques Vallée était sur cette piste dans les années 60 déjà, 70. Non, il y a des gens qui ont déjà dit ce qu'on a dit, hein, ce qu'on dit. On va un peu plus loin en parlant de la réalité également et en montrant que finalement les phénomènes paranormaux et ovnis sont peut-être ont peut-être une explication ou une source commune dans bien des cas, pas dans tous les cas. Soyons clairs, pas dans tous les cas, ça on ne le sait pas. Mais néanmoins, dans pas mal de manifestations. Alors on a ouvert un sillon, ou réouvert un sillon, redécouvert un sillon qu'on peut peut-être explorer maintenant avec d'autres chercheurs qui vont pouvoir peut-être prolonger la réflexion, peut-être nous contredire ou discuter de certains éléments et ils seront les bienvenus. Voilà, c'est comme ça que la recherche progresse. Eh bien, nous, on n'a plus qu'à suivre ça. La suite au prochain épisode, Laurent, on se tiendra informé. Et puis, moi, je te souhaite bonne continuation et encore une nouvelle fois, un grand merci à toi. Merci, peut-être dans 4 ans, comme la fois dernière, ça nous a Je pris 4 ans. ne bouge pas, je serai là. J'attends patiemment. À très bientôt, Laurent. À bientôt, Guillaume. Merci, au revoir à tout le monde. Les Nuréens, merci à vous. Vous étiez extrêmement nombreux ce soir sur le direct. Ça fait drôlement plaisir. J'espère que cette émission vous a plu, qu'elle vous a rapporté matière à réflexion, à remettre certaines croyances, certaines convictions. Moi-même, le premier, je vous le dis, hein, vous m'auriez posé la question il y a 4-5 ans. Oui, les extraterrestres sont des êtres exogènes. Ils viennent dans des soucoupes volantes. Ils voyagent géographiquement dans l'espace. Je vous aurais dit, c'est sûr. Aujourd'hui, je ne dis pas que ce n'est pas le cas, mais je pense qu'il y a certaines autres choses qui s'expliquent différemment. Et ce livre nous apporte en tout cas des hypothèses qui me semblent y répondre parfaitement. Ça sera à vous de vous faire votre propre idée avec cette émission, j'espère en lisant le livre. Quoi qu'il en soit, les amis, prenez soin de vous. Moi, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, mercredi prochain, donc bah, dans 48 heures, Nora, c'est sa rentrée en live sur Nura TV en compagnie de notre ami Sylvain Didelot. J'espère que vous serez nombreux au rendez-vous. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Et puis surtout, prenez soin de vous, gardez les pieds sur terre et la tête.
Non, je vous le montre pas aujourd'hui, il est en train de dormir, Pitchounet. Newton et moi, on vous souhaite une bonne soirée et la tête dans les étoiles. À très bientôt. Ciao!